Recevez les salutations de notre frère, le pasteur Bernard de Crefeld, le pasteur Daniel Guineur, notre sœur Danielle de Royan, notre sœur Carole de Canada, notre sœur Lily et frère Philippe de la France, nous saluons, la sœur Brigitte de Paris, nous saluons également, notre frère le pasteur Joachim de Mozambique, nous saluons, le pasteur Patrus de Pakistan, nous saluons l'Assemblée, le pasteur Jean-Martin de Libreville, nous saluons également. Notre frère, le pasteur Mungaza de Bukavu, nous salue. Le pasteur James de l'Ouganda, nous salue également. Je n'oublie pas les salutations de notre frère Jonas, notre sœur Belly et les enfants depuis Kinshasa. Salutations de notre frère KMB de Kinshasa. Notre sœur Rosalie en Afrique du Sud nous salue également dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre frère Koulibaly qui est à Abidjan également nous salue, ainsi que son épouse, notre sœur Odile d'Espagne nous salue également. Je remercie le Seigneur pour toutes les merveilleuses choses qu'il fait en moi et pour toute ma famille, c'est notre sœur Anna-Lucie. Que le Seigneur te bénisse richement, ma sœur. Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion entre nous, le Seigneur. Mon cœur est aussi dans
Dieu, Dieu d'éternité. Tu es le Dieu qui subsiste par lui-même. Tu n'as jamais été créé et personne ne pourra te créer. Tu existes par toi-même, parce que tu es Elohim, notre Dieu, celui qui existe par lui-même. Tu es le seul qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé les poissons de la mer, tu as créé les animaux, ô Père des forêts, tu as créé les plantes de la nature, tu as créé l'homme à ton image, mon sauveur et à ta ressemblance. Tu as fait de nous les merveilles de ton royaume, mon sauveur. Tu as donné tout pouvoir à l'homme de pouvoir dominer sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur les bétails, sur les poissons, sur toute la nature, notre Dieu. Tu nous as donné ce qui est le plus précieux, l'adoration, notre Dieu. C'est pourquoi nous élevons nos voix pour t'adorer, toi le puissant vainqueur, toi notre Père et notre Dieu. Tu es l'unique sauveur, tu es le seul maître, le seul qui mérite d'être adoré, le seul qui mérite d'être acclamé, le seul qui mérite d'être célébré. Seigneur, si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que toi tu l'as voulu, Seigneur. Aucun homme sur la terre, par sa puissance et par sa capacité, peut réellement garder le souffle de sa vie. Si nous sommes encore en vie aujourd'hui, si nous pouvons respirer, si nous pouvons voir ce soleil, si nous pouvons marcher, si nous pouvons être en bonne santé, si nous pouvons parler, si nous pouvons venir dans ta maison, t'adorer et te louer, c'est parce que toi tu l'as voulu. Seigneur, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la puissance, reçois nos cœurs, reçois nos vies, reçois tout ce qui te revient. Que plein toi notre Dieu, que tout genou fléchisse, que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de notre Père. Seigneur, il n'y a pas de Dieu sauveur à toi.
matin. Souviens-toi de notre pasteur. Seigneur, disons les mots conduits par toi. Mon âme te bénit, mais nous prions que tu es bien fait. Je m'abandonne de tes mains, Seigneur. Crois-moi encore pour ton service ce matin. Seigneur, je suis bien. Je m'attends à toi, notre Dieu. Tu sais combien, Seigneur, je ne suis qu'un homme, je suis fait de mon sonneur. Mais c'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me soutiens, Seigneur. Relève et fortifie, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit, oh Dieu. Guéris-moi les choses et les cantiques. Sois l'honneur de ton nom, notre Dieu. Bénis la parole qui t'a chanté. Bénis les enfants, Seigneur. Mon Père, que chaque service et chaque office soit vraiment moi pour la gloire de ton nom. A toi seul soit la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, mon Dieu. Sois avec nous, Seigneur. Glorifie ton nom, notre Dieu. Oh Père, que ce matin soit un moment béni, Seigneur. Que nous puissions réellement nous approcher de ce Dieu qui connaît, qui sonde les cœurs et les reins. Que nous puissions réellement être conscients que nous sommes dans la présence du Dieu Très-Haut. Que réellement ton Saint-Esprit ne manque pas au rendez-vous, Seigneur. Oh Père, que même le cœur le plus insensible soit touché par ta parole aujourd'hui. Seigneur, que même la maladie la plus incurable soit réellement guérie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, bénis nos frères qui sont en connexion. Oh Père, que tu puisses les visiter. Seigneur, réjouis leur cœur aussi par les chants et les cantiques. Je pense à mon frère Bruno. Ce matin, je pense à mon frère Jonas, ma soeur Bélie, les enfants. Seigneur, souviens-toi de la famille de mon frère Michel à Loudun, Seigneur. Oh Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur, que personne ne soit oublié. Seigneur, que tu t'arrêtes sur notre chemin. Oh, comme, Seigneur, la femme au plâtre de sang, que réellement, par la foi, nous puissions simplement tendre la main et toucher le pan de ton vêtement, Seigneur. Tu es présent, notre Dieu. Tu n'as jamais failli. Tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais-nous encore du bien aujourd'hui, Père. Nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons pouvoir chanter pour le Seigneur. Thank you.
Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Amen. Qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Éternel, écoute ma voix. Amen. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Amen. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Amen. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Amen. Dieu de mon salut. Amen. Car mon père et ma mère m'abandonnent
mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen. Amen. Considère. Amen, amen. Sa parole. Considère. Considérer ta parole, mon Sauveur. Voulons considérer ce qui sort de toi, notre Dieu. Parce que ce qui sort de toi, c'est la vie, Seigneur. Comme Pierre l'a dit, des fois sortent les paroles de la vie éternelle. Rien d'autre qu'à toi, mon Sauveur. Oh, c'est pourquoi nous avons besoin de pouvoir t'entendre, Seigneur. Nous parler, nous éclairer, nous convier, mon Sauveur béni. Oh, c'est un temps, nous avons tellement soif de toi, Père. Au lieu soit de pouvoir une main d'entendre encore nous éclairer, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Nous n'a pas laissé au félin, tu l'as dit. Et tu as envoyé le consolateur à nous bénir, Seigneur. Oh, Dieu, pour conduire encore ton cœur dans toute la vérité, Seigneur. Merci que nous sommes partis de ton peuple à toi, Père. Nous l'a fait sortir de vous bien, nous étions, Seigneur. Nous nous conduire encore vers les grands pâturages, mon béni, Seigneur. Quand nous l'avons sorti encore tout à l'heure, mon béni, Seigneur. Et l'Éternel est mon berger. Que mon cœur est de bien. Gloire et honneur à toi encore ce matin. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Merci encore pour ton œuvre, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Père, je voudrais te prier, te remercier encore pour les chants et les cantiques. Sois monté devant ton trône de grâce, mon Père. Pour chaque âme, pour chaque frère, pour chaque soeur qui t'a possible. Élevé encore ce matin au travers des chants et des cantiques et l'adoration aussi des prières. Seigneur, nous pensons à tous nos frères et soeurs qui sont dans différents endroits, différents pays qui ce matin aussi te louent et t'adorent, Père. Qu'ils soient bénis aussi, mon bénévole Père Saint, qu'ils soient aussi fortifiés. À toi la gloire. Viens encore nous conduire encore, bénévole Père Saint, car nous avons vraiment besoin de toi. Nous te remercions, Père, et nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté, merci pour les psaumes. Merci encore pour tout, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons considérer le bienfait de l'Éternel. Nous voulons considérer sa parole. Nous voulons considérer aussi son amour, sa grâce et sa bonté à notre endroit. Nous réalisons combien ceux qui nous ont précédés, comme le psalmiste pourrait le dire, quand j'étais invoqué dans ma détresse, tu m'as secouru. Nous avons un soutien véritable, un secours vrai. Et cela, c'est une réalité qui ne manque jamais au temps de la détresse. Non seulement il est un Père pour nous, mais il est aussi un Sauveur. Un Rédempteur pour chacun de nous. Et nous le remercions pour le soutien qu'il nous apporte effectivement tous les jours dans notre vie et aussi la grâce de pouvoir aussi s'accrocher aussi à lui. Tout est par grâce. Amen. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais c'est lui qui nous a accordé cette grâce d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore ce que nous sommes censés être. Amen. Nous avons une telle assurance que nous le serons certainement. Amen. Parce que nous voyons ce qu'il fait en nous et aussi au travers de nous. Amen. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Il y
Hier, c'était une autre chose. Vraiment. Aujourd'hui, c'est encore une autre. Amen. Et nous réalisons que par sa grâce, nous sommes réellement en train d'écrire un livre d'histoire. Amen. Que son nom soit vraiment béni. Amen. Et nous lui sommes reconnaissants parce qu'à nous, il nous a vraiment ouvert les yeux. Amen. Pour que nous puissions réellement chercher à pouvoir réellement savoir quelle est notre position. Amen. Parce que nous avons une histoire à écrire avec lui. Amen. Dans ce temps dans lequel nous vivons. Ah oui, certainement, comme nous pouvons aussi le voir, les noms ont été cités dans les Saintes Écritures. Ces hommes et ces femmes ont fait l'histoire avec le Dieu très haut. Mais au temps du soir, dans l'âge de l'Odyssée, Dieu s'est choisi aussi un peuple tel que vous êtes. Vous savez, ce n'est pas une histoire de frères et de sœurs. Parce que si même il y a un doute quelque part qui veut frapper votre esprit, tournez simplement le regard vers l'Orient. Vous pouvez voir qu'il y a un peuple. Et ce peuple, aujourd'hui, il est en train de végéter. Il est en train de pouvoir réellement souffrir parce que vous connaissez comment s'est passé effectivement dans le monde, en réalité, comment il a été dispersé dans ce monde, effectivement, dans plusieurs pays. Et jusqu'aujourd'hui, vous pouvez réellement remarquer en réalité ce qu'il a mis. Et c'est quel peuple, effectivement? C'est le peuple d'Israël. Et quand on parle du peuple d'Israël, on se souviendra toujours d'Abraham. Parce qu'on ne peut pas parler d'Israël sans penser à Abraham. Donc ils ont tiré l'origine, effectivement, d'un homme qui a aimé Dieu et que Dieu a beaucoup aimé d'avance. Et que cet homme a manifesté réellement cet amour à l'endroit de ses dieux. Et vous savez aussi qu'effectivement, que dès lui, Dieu lui a donné effectivement une postérité. Et cela qui a conduit jusqu'à pouvoir avoir Israël. Je crois que même l'histoire le témoigne, même si aujourd'hui les gens peuvent dire que bon, les dieux n'existent pas. Et puis bon, regardez effectivement aussi en Égypte les pyramides et les sphinx et tout ça. Je crois que tout ça vous rappelle effectivement qu'il y a eu un peuple. Et l'histoire relate effectivement qu'il s'agit effectivement d'un peuple qui était étranger, a servi dans ce contrée-là effectivement et qui a été utilisé pour construire tout ça effectivement. Alors, c'est sûr et certain que ce peuple existe. Et comme nous le savons, et ce peuple a été réellement conduit par Dieu, le Dieu du ciel, qui a témoigné qu'effectivement qu'il était vivant. Donc Israël n'était pas comme n'importe quel peuple sur la terre. C'était vraiment un peuple conduit par Dieu. Mais quand vous le regardez aujourd'hui, ce n'est pas le même Israël que vous connaissez dans les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures nous ont relaté la puissance que Israël avait, comment le prophète pouvait arriver à pouvoir agir, des grands rois qui ont régi effectivement cette contrée parce que Dieu leur donnait de rois, comme Salomon, comme David, effectivement, ainsi de suite. Et ces hommes, effectivement, qui s'approchaient à leur Dieu, alors effectivement, le pays était prospère. Et le pays était prospère parce que Dieu était mis en avant et qu'il avait des prophètes, effectivement, aussi, qui conduisaient, effectivement, le peuple et le roi que Dieu plaçait avec confiance à ses prophètes, effectivement, aux prophètes de l'Éternel, comme il pouvait les dire, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez ainsi. Donc, nous pouvons voir que c'est ainsi que ce peuple a été. Et aujourd'hui, nous réalisons qu'effectivement, que là, c'est autre chose. Comme je pense que, je vous l'ai dit, je pense que c'était le jeudi, je pense, ou 3-4 jours, j'ai reçu une vidéo. Là-bas, c'était les boîtes de nuit, tout ce que le monde peut avoir, effectivement, les mondes là-bas. C'était là-bas, effectivement, en Israël. Alors, il s'est trémoussé, il faisait n'importe quoi, effectivement, comme les mondains, comme les païens, effectivement, chose que l'Israël, ainsi, ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, c'est le monde en plein. Quand on parle effectivement de tous ces hommes-là, effectivement, qui vont essayer, vous connaissez les choses comment. Et là, ils étaient en train de trémousser et vivre comme les païens. Et tout d'un coup, la terre s'ouvrit. Alléluia. Et cette terre qui s'ouvrit, effectivement, on est filmé. Et les gens étaient donc engloutis dans la terre. Donc nous comprenons qu'effectivement, que ce n'est plus effectivement comme cet Israël dont on parlait. Pour quelle raison? Ça paraissait tellement si simple, effectivement, vous le savez. Quand ils ont vu cet homme de Galilée, au travers de qui, effectivement, Dieu avait réellement prouvé qu'il était avec lui, malgré qu'il était simple, malgré qu'il n'avait pas de grands, effectivement, il était tellement si simple, mais il accomplissait, effectivement, d'une manière parfaite, ce que les Saintes Écritures avaient déclaré de lui. Mais ils n'ont pas voulu de lui, et puis ils l'ont rejeté. Et comme ils l'ont rejeté, effectivement, là, vous connaissez dans les Saintes Écritures que le Seigneur avait déjà annoncé d'avance, avant que les événements arrivent, il dit, mais
J'appellerai bien-aimés ceux qui n'étaient pas bien-aimés. Et ça va par la bouche d'Osée quelque part. Et c'est merveilleux. De voir que notre Dieu que nous servons, qui est le Dieu d'Abraham, qui est aussi devenu notre Dieu. Combien nous sommes heureux de pouvoir l'avoir. Alors cette grâce de pouvoir réellement quelle joie pour savoir que ce Dieu est vraiment omniscient. Donc il connaît toutes choses, effectivement. Il a annoncé d'avance, effectivement, que ce qui allait se passer. Et voilà qu'effectivement, que lorsqu'ils l'ont rejeté, effectivement, alors la Bible dit qu'effectivement, que Dieu du ciel a tourné le regard vers les nations. À moins que vous soyez des aveugles avec, je ne sais pas comment, des bris dans les yeux, mais même un aveugle, il a quand même les oreilles, il entend. Bartimée était un aveugle, monsieur, il ne voyait pas Bartimée. Mais Bartimée avait les oreilles, monsieur. Quand il a entendu le bruit qui passait effectivement au travers de ses oreilles, il ne voyait rien. Et il a posé la question, mais de quoi s'agit-il? Parce que dans son âme, ça bouillonnait effectivement, il y a quelque chose. J'aime mon Seigneur, frère, vous savez. Et quand il te connaît, lorsqu'il passe quelque part, c'est parce qu'il sait que tu es là. Il n'est pas allé trop loin parce qu'il savait que Bartimée était là. Et son approche venait que Bartimée, dans son corps, il sentait que quelque chose bouillonnait. C'est cela que Dieu est toujours, mon frère. Il ne fait rien par hasard. Ce qu'il fait est toujours précis. Et aussi, il sait parfaitement très bien comment faire le chose. C'est pourquoi Bartimée a crié, mais dit, mais de quoi s'agit-il? Il dit, mais bon, tu ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est Jésus de Nazareth, effectivement, le prophète de Nazareth. Oh là 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 là. Lorsque l'homme qui était aveugle, qui ne voyait pas, a entendu cela, son âme a explosé. Il a entendu, on lui a dit, Jésus. Nazareth, le prophète, effectivement, qui est en train de passer. Les autres venaient pas traiter pour voir, mais qui est cet homme? Mais quand cela est tombé dans les oreilles de cet homme ici, Bartimée, effectivement, alors là, il a crié de tout son cœur. C'est merveilleux de voir comment l'homme pouvait l'appeler. Fils de David. C'était un affaire de monsieur qui ne savait pas lire. Alléluia. Dieu t'a donné les oreilles. Les nations n'ont pas d'excuses, monsieur. Toi, tu n'as pas d'excuses, madame. Tu n'en as pas. Parce que cet homme qui était avec, rien que par ce qu'il a entendu par les oreilles, il a eu à pouvoir crier et l'appeler de la manière qu'il fallait qu'il l'appelle. Fils de David. Amen. Fils de David. Aie pitié de moi. Ah, il s'est arrêté. Hein. Vous savez, parce qu'on le faisait taire de telle sorte qu'il ne puisse pas arriver à pouvoir crier fort. Il est effectivement pour lui écouter, ça ne sert à rien. Il est tellement occupé, il a beaucoup d'autres personnes à voir effectivement de côté. Ah! Il dit, moi ici, c'est le jour que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir ce jour. Parce que, mon frère et ma soeur, quand Dieu veut faire quelque chose aussi au travers de toi et en toi, il y a quelque chose qui doit aussi changer autour de toi. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a dans mon cœur, il y a quelque chose qui travaille. Il y a une profondeur qui appelle une profondeur. Là, le Seigneur n'est pas loin parce qu'il est en train de faire ça pour t'attirer encore davantage. Et c'est cela qui s'est passé avec Bartimée. On l'a fait terminer, tais-toi, parce que ça s'est crié. Et plus on le faisait taire, plus Bartimée criait encore plus fort. Amen. Il y avait quelque chose dans Bartimée de l'assurance qu'aujourd'hui, c'est aussi ton jour à toi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. C'est cela qui accroche en fait Dieu dans le monde. Ainsi que vous connaissez donc, quand Bartimée s'est approché de lui, mais lui qui était loin, qui partait effectivement, dont il y avait beaucoup de bruit, et puis il dit, il s'est arrêté, il dit, faites-le venir. Et quand on a fait venir Bartimée, il a vu le zèle qui avait été, il a vu la flamme qui était dans le cœur de Bartimée, il dit, mais que veux-tu donc que je te fasse? Que je recouvre la vie. Amen. Donc d'abord, il a entendu. N'est-ce pas vrai? Maintenant, nous allons lire dans le livre de Job au chapitre 40. Job, chapitre 40. Job, chapitre 40. Le verset 1.
Job rebondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Quel est donc celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comprenons que la manière dont Dieu fait les choses, c'est pour que nous réalisions réellement le caractère et vraiment la nature de Dieu. Il faut que chacun de nous qui sommes réellement le peuple de Dieu, qui avons expérimenté effectivement cette grâce divine de Dieu qui nous a ramené davantage à Christ notre Seigneur et que nous avons aussi expérimenté cette nouvelle naissance pour être appelés fils et filles de Dieu, nous devons connaître celui que nous appelons notre Père qui est aux cieux. Quand nous l'appelons notre Père et que nous sommes ses fils et ses filles, là nous devons réellement apprendre à pouvoir le connaître, connaître les caractères de Dieu. Le Seigneur a une façon de faire les choses, comme l'Écriture le dit, il cache des choses, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et c'est vraiment une grâce de la part du Seigneur que toi, mon frère, et toi aussi, ma soeur, nous tous, nous puissions entrer effectivement dans les secrets des choses de Dieu pour que nous puissions comprendre effectivement ce que Dieu est en train de faire. Et quand il fait quelque chose, c'est vrai que l'homme peut arriver à pouvoir regarder avec sa façon de pouvoir voir, mais comme il s'agit des choses qui sont divines et qui viennent de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que nous puissions voir de la bonne manière. Amen. Yeah. Vous voyez, dans ce que nous venons de lire, effectivement, il y a eu cet homme dont l'Écriture rend témoignage et dont nous lisons souvent les écrits ici, effectivement, qui parlent effectivement de lui, qui aussi apporte une consolation à chaque croyant. C'est pour que nous comprenions que Dieu a toujours eu à pouvoir avoir des témoins sur la terre pour que ta foi et ma foi, lorsqu'elle peut regarder cela, elle dit que tout est possible parce que Dieu l'a déjà fait avec l'un comme l'autre. C'est bon qu'au travers des témoignages que nous passons dans notre vie, c'est pour ça, quand Dieu, notre Seigneur, fait quelque chose dans ta vie à toi, rends donc témoignage ici. Parce que ton témoignage à toi édifiera aussi l'autre aussi qui est dans la même épreuve que toi. Parce que nous passons tous par des épreuves, et en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons qu'un seul adversaire. Amen. Ah oui, hein? Donc les souffrances que nous éprouvons sont presque semblables. Amen. Alors quand nous sommes accrochés à Dieu et que Dieu a fait quelque chose pour toi, alors rends témoignage de la manière à ce que qu'on voit que c'est Dieu qui a fait quelque chose pour toi. Amen. Ne pose pas ta poitrine comme si c'est toi qui as fait quelque chose. Amen. Non, reconnais Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Et réellement, là, je rends témoignage avec la sincérité de mon cœur que les jours où je l'ai vraiment invoqué, alors si Dieu m'a accordé la grâce. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que c'est la grâce du Seigneur. Là, chacun de nous doit réaliser une chose comme cela. Et quand tu réalises cela, effectivement, alors c'est sûr et certain que le Seigneur, davantage, il agira en toi. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé aussi en toi un instrument par lequel il peut aussi approcher aussi les autres. Amen. C'est pour ça, il dit aussi, ouvre ta bouche, je la remplis. Amen. En témoignant de ce que le Seigneur est. Alors, là, c'est Job, comme l'Écriture nous le fait part, effectivement. Et nous connaissons que la Bible nous fait part, effectivement, de cet homme qu'il a payé. Il habitait dans un pays qu'on appelle un pays d'Utsevétique. Et comment l'Écriture nous le démontre, effectivement, c'était un homme qui était vraiment intègre. Et il craignait Dieu et se détournait du mal, effectivement. Il nous a montré aussi comment il a pu avoir ses enfants, comment il a agissait, effectivement, avec et pour ses enfants aussi. Et nous avons aussi remarqué que cet homme était un homme qui était considéré réellement en Orient. Quand vous aimez Dieu, mon frère et ma soeur, quand votre vie est consacrée réellement au Seigneur,
Quand vous avez la crainte du Seigneur, Dieu vous donne quelque chose encore de plus. C'est la sagesse. La sagesse que vous avez, effectivement, ferait que les hommes qui sont autour de vous auront quand même du respect à votre endroit, parce que chaque fois qu'ils vous approcheront, ils réaliseront qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu a donné à cette sœur ou à ses frères. Oui, c'est pour ça qu'ils auront du respect à votre endroit. Ainsi que des Job, en fait. C'est l'un des hommes les plus considérés, parce que Dieu l'avait béni et Dieu l'avait aussi. Parce qu'il dit, mais quand je passais, alors on me laissait la place. Les gens avaient du respect à la crainte parce que, à cause effectivement de la parole que Dieu m'a donnée pour leur apporter, quand quelqu'un était là, tu sais, j'avais des paroles pour le consoler. Lisez, Job. Donc j'étais les bras du faible. Alléluia. J'étais le père pour un orphelin. Je donnais du pain à celui qui était affamé. J'encourageais celui qui était découragé. Amen. C'était comme ça que Job était, effectivement. C'était la vie de Job, en réalité. Donc cet homme, il était dans ces contrées-là, effectivement, et vivant, en réalité, comme... Je pense que je disais cela, je pense que c'était, oui, c'est à la fille de notre frère, Marcel, quand je lui parlais, lorsque elle me posait des questions, celle qui était en âme, on se concernait, effectivement, des choses en rapport avec, parce qu'il voulait avoir, effectivement, savoir ce qu'il y avait. Je dis, mais... Dans le monde aujourd'hui, vous vivez votre vie en allant dans les boîtes de nuit, vous trouvez ça bien, bon, et puis vous êtes avec des gens à gauche et à droite, vous cavalez, vous allez voir des choses ainsi, vous trouvez cela, c'est une vie, vous prenez plaisir à cela, parce que c'est la vôtre. En tant qu'un païen, c'est la vie que vous avez. Et vous prenez donc plaisir à cela, les chansons du monde, ceci et cela, parce que ça fait partie de vous. Dites-le, quand tu deviens chrétien, et comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, et je lui dis aussi, je dis, mais je crois qu'on nous a mal présenté la parole de Dieu, on nous a mal présenté Dieu. Vraiment. C'est sûr et certain. Amen. C'est Dieu que nous avons dans les Saintes Écritures n'a jamais été un dictateur. Amen, 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 alléluia. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un. Amen. Mais par contre, la religion, oui. Oui. La religion vous impose ceci, ainsi, ceci, ceci. Si tu ne le fais pas, tu vas en enfer. Vraiment. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Non, notre amen. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Est un Dieu qui est bon. C'est Dieu ne t'oblige en rien. Amen. Et ce Dieu te montre la différence des choses. Il t'apprend pour te faire comprendre que bon, voilà, le monde est ainsi, les choses sont ainsi. Maintenant, toi, tu as été créé pour ça. Amen. Voilà ce qu'il en est. Avec ça, ça te conduit là-bas. Avec ceci, ça te conduit là-bas. Maintenant, tu es entre les deux. Fais toi-même le choix. Amen. Donc, si tu choisis quelque chose, c'est parce que tu aimes. Mais quand tu aimes la chose, alors tu prends goût à la chose. C'est comme ça que nous comprenons avec la vie d'un chrétien ou d'un chrétien, effectivement, on ne nous a pas imposé, on ne nous a pas obligé. Non, c'est comme le jour de Pentecôte, Pierre n'a pas dit, bon, maintenant que vous avez cru, alléluia, vous devez être à la réunion le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tous les jours, être là pour louer Dieu. Il n'a jamais dit ça. Non. C'est eux-mêmes, dans leur cœur, dans leur âme, ils ont eu à voir prendre plaisir à pouvoir dire, mais que c'est bon de se retrouver ensemble. Amen. Que c'est bon de pouvoir louer le Seigneur. Amen. C'est bon de pouvoir faire communion avec nos frères et nos sœurs. Et ça, c'est ce qu'effectivement la parole de Dieu fait dans le cœur d'un véritable croyant qui a cru au Seigneur et qui prend plaisir à ces choses. Et c'est vrai. Et je crois que c'est quelque chose qui doit réellement être aussi ancré dans le cœur de tout un chacun de nous. Parce que chaque fois que nous venons, chaque fois que nous nous approchons du Seigneur, nous devons aussi examiner effectivement nos motivations. Amen. Pourquoi est-ce que nous venons dans la maison du Seigneur? Parce que souvent on trouve des excuses. Vous n'avez pas à pouvoir trouver des excuses parce que je ne viens pas, je suis malade. Non, quand tu es malade, tu sens que tu ne peux pas venir. Tu ne viens pas. Il ne faut pas que tu te fasses avoir dit, frère, tu vois, je ne suis pas venu, j'étais malade. Non. Tu sens que tu es malade, que tu ne peux pas venir. Il n'y a pas de problème. Tu dis, frère, je suis malade, que je ne viens pas. Si vous pouvez prier pour moi, on priera pour toi. Le problème n'est pas entre toi et les frères, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et la marche que tu fais avec Dieu. Parce que le frère, ça, il ira dans son chemin. Toi, tu iras aussi à la rencontre là-bas, tu seras seul. Amen.
Donc si tu mens ou tu fais des choses, c'est ton problème. Oui. Parce que Dieu, c'est une grâce pour frère et ma soeur qu'on est encore sur la terre. Que le Seigneur nous parle pour que nous puissions réaliser qu'en tout cas, nous avons la possibilité d'être vrai. Amen. Pourquoi chercherais-je à être un faux? Alors que être vrai, c'est possible. Amen. Et puis quel mal y a-t-il d'être vrai? C'est vrai, mon frère et ma soeur, parfois le cœur se dit, mais quel mal y a-t-il d'être vrai? Au contraire, le fait d'être vrai me fait dormir tranquille. Je suis bien, je respire bien. Mais quand je suis faux, ça travaille. Pourquoi? Parce que l'homme n'a jamais été créé pour être un faux. L'homme a été créé pour être un vrai, et puis être de nature aussi bonne nature. C'est le mal qui est venu faire en sorte que la méchanceté entre effectivement dans l'homme. Le mal n'est jamais venu de Dieu, vous ne savez pas, non? Toujours le bien, effectivement, parce que l'homme, quand il était créé par Dieu, lui était très heureux de pouvoir le faire. Donc, alors, revenons dans Job. Alors, Job était un homme comme ça. Et qui aimait tellement Dieu, effectivement, un véritable croyant et qui prenait réellement plaisir. Parce que quand on parle de cela, on a l'impression que oui, c'est historique, effectivement, que voilà, que nous dit qu'on peut mener une vie sans que Dieu nous puisse nous obliger. Non, on va dans les saintes écritures, qu'il y a eu des gens qui ont réellement pris plaisir à pouvoir réellement vivre la parole de Dieu. Amen. Et ces gens-là ne se sentaient pas obligés, mais c'était des choses dans lesquelles ils prenaient plaisir. Lisez Job, mon frère et ma soeur. Et cet homme faisait cela parce qu'il trouvait que c'était la chose juste pour lui. Et que bon, il ne faisait pas pour dire, Seigneur, je veux une récompense auprès de toi. Non, un fils de Dieu ne pense pas comme cela. Amen. Il ne pense pas que je dois prier, je dois faire du bien à la soeur, certaine, effectivement, pour que, Seigneur, tu me bénisses. Non! Non, 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 c'est en toi-même. Amen. Il dit que faire du bien à ma soeur, ça me fait du bien à moi-même. Amen. C'est vrai. Oui, mais quand j'aime ma soeur, mais ça me fait du bien parce que nous nous aimons. L'amour est bien, et puis faire du bien, c'est toujours une chose qui est donc. On ne fait pas cela parce que, Seigneur, je prie pour que, je fais cela pour qu'à la fin, Seigneur, tu comptes tous les bienfaits. Avec ça, tu ne vas pas tellement loin. C'est vrai. Non, non, non. Vous vous souvenez d'avoir lu les scènes de l'Église, vous avez été donné. Hein? Quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger? Quand avons-nous vu sans vêtements et avons-nous donné des vêtements? Quand avons-nous vu un vieux ainsi signé? Alors ils se souvenaient même plus de ce qu'ils avaient fait. Mais les Seigneurs disent, mais à chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc chaque fois que tu fais quelque chose pour ton frère et pour ta soeur, sans compter, sans vraiment y penser, effectivement, qu'il faut qu'en retour, il fasse aussi pour moi, parce que c'est vrai. C'est vrai. Si tu fais quelque chose pour quelqu'un, n'attends pas. C'est pour ça, parfois, je commence à avoir peur. Disant, bon, si on veut m'offrir un cadeau à l'anniversaire. Donc moi, je dis, je peur. Si on veut m'offrir un cadeau à mon anniversaire, vous avez peut-être plus ou moins 250 ou 300 ou 400. Mais là, à vos anniversaires, qu'est-ce que moi, je dois faire? Comment? Parce que ça devient un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous m'offrez un cadeau parce que vous m'aimez, j'ai la paix. Amen. Et si vous m'offrez un cadeau pour que les jours de votre anniversaire, si je ne me souviens pas, frère, quand même, tu as oublié mon anniversaire, j'en ai au moins 6 copains de milliers dans votre tête. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est entre nous, je dis ça comme ça. Amen. C'est bon que vous comprenez qu'effectivement, qu'il y a des hommes qui parfois c'est difficile. Mais bon, c'est vrai, avec ta voisine, c'est enfin, bon, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais il y a des hommes qui ont une responsabilité comme moi, je l'ai, mais beaucoup. Comme moi, je vais faire un cadeau à chaque anniversaire à quelqu'un. Vraiment. Moi, je voudrais bien. C'est pour ça que j'ai pensé un jour, j'ai dit, Seigneur, et ça j'ai pensé. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, accorde-moi la grâce. Je vais un jour acheter un grand gâteau. Écoutez, un grand gâteau, je dis à mes soeurs, faites-moi un grand repas. J'invite tous les frères et soeurs de l'Assemblée, j'ai dit, ça c'est pour tous vos anniversaires. Chaque fois qu'il y a l'anniversaire, souvenez-vous de ces gars. Souvenez-vous de ces rêves. J'ai pensé à ça. J'ai dit au moins tout le monde à moi. Et j'ai chanté Happy Birthday to you. Donc à chacun de vous. Ainsi, j'ai dit, oh, à chaque anniversaire, il a déjà mangé. Que Dieu nous aide. Donc, quand nous faisons quelque chose, nous le faisons parce que nous aimons. Et nous n'attendons pas que puisque j'ai fait pour la personne, que aussi que la personne le fasse aussi pour moi. Parce qu'un jour, si la personne ne s'est pas souvenu, il a oublié, effectivement, alors ça va créer des problèmes.
Que voilà, moi j'avais fait pour lui, et lui n'a pas fait pour moi. Non, parmi nous, ça ne va pas être comme ça. Non, nous, quand on fait, comme on a vu les Saintes Écritures, qu'ils apportaient, attendez pas que l'autre ramène. Non, moi, ce que j'ai, j'apporte pour mon frère, j'apporte pour ma soeur. Mais il en fait ce qu'il avait de faire, c'est son problème. Mon désir de quoi faire du bien. Je sens qu'à moi, je dois faire du bien. Je ne dois pas me retenir, effectivement, mais je sens que je dois faire du bien. Quand je ne fais pas le bien, je ne me sens pas bien. Donc, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse avoir des moyens pour faire toujours du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. C'est vrai, frère. Amen. Ah oui, c'est vrai. Parce que si le Seigneur nous bénit aujourd'hui et que nous avons des millions, on va faire quoi? On ne va pas les garder quand même dans nos comptes. Ma soeur, il a un petit souci là-bas. Bon, je sais qu'il a un problème. C'est pour aider la soeur. Amen. Vous ne réalisez pas, frère et soeur. Je sais que vous dites Amen, mais c'est parfois difficile de dire Amen. Parce que c'est un Amen d'autre. Parce que quand tu as et que la soeur a vraiment un problème, tu fais. Vous savez, ça peut d'abord penser à gauche, pour d'abord donner, tu commences à réfléchir. Ah oui, mais maintenant, si je donne, c'est une soeur, est-ce qu'elle va vouloir me rembourser? Et puis quand elle va vouloir, je demanderai, elle va dire, oh soeur, effectivement, je vais courir encore après. Vous comprenez ça? Donc quand vous pensez comme ça, vous ne ferez rien de bon. C'est vrai. Amen. Non, mon frère et ma soeur. Le Seigneur permet que la soeur vienne ou le frère vienne chez toi, je ne sais pas moi qui, ou je ne sais pas moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Il vient chez toi et dit, mais j'ai besoin de pouvoir avoir la semoule. Tu as un sac de semoule là, cuisine, je ne sais pas moi ça. S'il est venu chez toi et que tu as cédé ses mots, c'est que Dieu veut te bénir. Amen. Et tu commences à dire, oh, si je prends deux gobelets, bon, ma fille qui est là-bas, mon cousin qui est là-bas, et si je donnerais, ah, soeur, alléluia, gloire à Dieu. Si nous prions pour que Dieu pourvoie. Mais soeur, tu as quand même un peu de ces mots-là, mais tu as commencé à faire la géographie dans la tête. Quoi, si je donne un gobelet, je lui dis, il va me manquer une gobelet. Mon frère et ma soeur, tu as oublié qu'il y avait une femme qui n'avait qu'une bouteille d'huile. Alléluia! Et quand elle dit, allez, mais fais-moi seulement avec la femme, pour moi je vais manger, puis pas après. Et il ne lui a rien manqué. Non. Dieu a fait en sorte que ça puisse continuer à voir. Mais c'est Dieu n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Amen. Donc nous devons réellement être vraiment un peuple de Dieu. Amen. Et avoir le sentiment, plus le Seigneur travaille, mon frère et ma soeur, plus nous tendons à la perfection, plus notre façon de concevoir les choses humainement change. Amen. Et nos rapports deviennent encore beaucoup plus étroits encore, parce que la Bible dit que, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, n'est-ce pas vrai? Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Pour avoir un amour quoi? Fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres. Donc plus nous approchons de la vie du Seigneur, plus l'amour pour les uns et les autres augmente de plus en plus. Amen. Vous le croyez? Amen. Parce que le Seigneur a dit une chose, que l'amour du plus grand homme serait, c'est sûr et certain. C'est vrai. Mais le vôtre, lui, doit augmenter la longueur. Nous vivons dans les temps, mon frère et ma soeur, où les païens n'ont plus l'amour, c'est l'égoïsme, c'est les combats. Mais toi, non. Toi, tu ne peux pas revêtir un caractère égoïste. Non, monsieur. Ton amour, cela démontre effectivement que toi, tu es en train d'être préparé par le Seigneur. Parce que tout ce qui est comme les choses de la terre n'ont plus d'emprise effectivement sur toi. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi comme auparavant. Avant, je calculais beaucoup, mais maintenant, plus je grandis les choses de Dieu, je ne calcule plus maintenant. Qu'est-ce que je deviens? Je vis par la foi. Amen. Oh, mais si je donne, qu'est-ce qui va se passer? Mais il a dit que mon juste vivra par la foi. Amen. Donc, plus maintenant, je avance avec le Seigneur, plus je me rapproche effectivement de mon départ à la maison, la foi grandit davantage. Amen. Et les pensées tout à fait naturelles disparaissent de plus en plus. Maintenant, je réveille quelle pensée? Oh! Alléluia. Qui a connu la pensée du Seigneur pour le suivre? Amen. Alléluia! Amen. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Amen. Donc, nous réalisons qu'effectivement, qu'il y a un travail qui se fait de plus en plus et un changement profond, effectivement, qui prend place dans chacun, effectivement, pour que nous puissions réellement aussi avoir la paix dans notre cœur en disant que Seigneur, oh! Quand nous avons entendu notre Père, c'est notre Dieu, que tu ramèneras effectivement ce qui est dit au commencement. Alors alléluia. Au commencement, nous savons que c'était l'amour parfait. Amen.
Et tu as dit dans ta parole quand j'ai dit que tout de tous ceux que la multitude de ceux qui avaient n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Là, nous voulons être dans cette dispensation qui soit très transportée. Et ça, c'est le travail. La mort dans le monde, les uns, la guerre, effectivement, c'est refroidi, on devient. On devait, avec des problèmes financiers, aujourd'hui, on devient tout à fait égoïste. On commence à penser, je ne peux pas, parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne peux pas, sinon. Et quand toi, tu es dedans, là-dedans, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Amen. Moi, je dois sortir. Amen. Pourquoi tu dois sortir? Mon frère et ma soeur, je vais le lire tout à l'heure, effectivement. Pourquoi tu dois sortir? Pourquoi tu dois sortir, effectivement? Parce que tu ne dois pas. Et c'est là que tu dois avoir les yeux pour pouvoir voir, comme je disais tout à l'heure, effectivement, au tout début, effectivement, j'ai dit, mais même si tu es un aveugle de quoi que ce soit, où tu as les yeux qui sont fermés, les nouvelles, quand même, la radio qui dit qu'il y a quand même un pays qu'on appelle Israël. Il y a eu un monsieur qui s'était élevé là, un monsieur qui venait effectivement aussi de Babylone, qui était donc, pas de Nicabessa, mais Saddam Hussein. Vous connaissez d'où se trouve effectivement la partie de l'Irak, non? Vous connaissez quand même, non? La géographie, non? Il disait que je suis descendu de Nebuchadnezzar. Donc cet homme, effectivement, son objectif était que je vais détruire Israël. Hein? Dans le temps qu'il était là, effectivement, et il a même tourné, pointé l'arme, effectivement, vers l'État d'Israël. Mais il faut qu'on puisse éradiquer, parce qu'il était tenu aussi par. Parce que c'est le but même de tous les Arabes. Que ce même petit pays-là soit rejeté dans l'eau, effectivement, que tous les juifs soient complètement décimés. Avez-vous regardé la carte géographique? Nous l'avons maintenant. Avez-vous regardé une fois? Je vais une fois prendre des cartes pour vous montrer. Parfois, on parle, vous ne voyez pas. Mais regardez la taille d'Israël par rapport aux autres pays, hein, l'Arabie Saoudite et tout ça, les grands pays avec des grandes armées, avec tout ça, tout autour, effectivement, aussi. Non seulement ces pays-là, mais dans le monde. La manière dont les gens sont dressés à la haine contre effectivement cet état-là, effectivement. Petit état. En plus, à l'intérieur aussi, il y a Gaza, comme vous voyez, avec les pierres, effectivement, tous les jours. Mon frère, ma soeur, quel est le pays qui peut résister à toutes ces attaques, effectivement, aussi à toutes ces haines aujourd'hui, et continuer à pouvoir encore se maintenir jusqu'aujourd'hui? À moins que quelque part, on n'ait pas à pouvoir quand même avoir la pensée, voir penser quand même qu'il y a quand même ce qu'on appelle du surnaturel quelque part. Parce que tous ceux qui l'entourent, ils ont la puissance de les pouvoir mettre dans l'eau également et détruire. Mais pourquoi? Pourquoi? Posez-moi la question. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pouvoir les détruire? Et nous, ici en Europe, vous savez, il y avait des pays comme Tchécoslovaquie, ceci et cela, ici, c'est des petits pays, vous connaissez, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a rasé, on a tout mis ensemble. C'est vrai. On peut aussi raser aussi. Qu'est-ce qui a empêché, puisque bon, on attend, et puis on peut les tanks, effectivement, là, pas tirer, tirer, effectivement, puis les Arabes, bon, on va, comme il est fort, effectivement, à gauche, à droite, bon, on peut faire des trucs, mais pourquoi? Pourquoi, effectivement, ce petit pays ne peut pas être détruit? Alléluia. Ça, mais oui, posez-vous quand même la question. Amen. C'est un petit pays avec des pays qui sont aussi puissants que d'autres. Vous savez, parce qu'on est habitué un peu, mais réfléchissez un tout petit peu, parce qu'il pousse les autres à avoir des problèmes, effectivement, on peut les raser, mais c'est tout à fait regardé très bien. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Titus est venu, non? N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que Titus a fait? Il n'y avait plus d'Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était effectivement les gens qui sont rentrés. Donc, on a voulu effectivement faire en sorte que ces pays soient complètement inexistants. On a même donné le nom de Palestine. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que malgré que tous sont partis, il y avait un reste en Israël, s'il vous plaît. Qui faisait que la racine d'Israël était là. On ne pouvait pas éradiquer tout Israël, non, monsieur. Pourquoi? Parce que, comme la Bible le disait, l'an prochain en Israël, n'est-ce pas vrai? Et il y avait une promesse. Ce qui fait que nous pouvons être conscients, nous pouvons savoir que c'est sûr et certain que Dieu, qui a démontré qu'effectivement, qu'il y a un peuple qu'il a eu à pouvoir utiliser, et que ce peuple maintenant, il est comme s'il est en léthargie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Pourquoi est-ce que rien ne se passe?
C'est parce que c'est Dieu, d'une manière particulière, s'est tourné vers les nations. Et vous et moi, nous ne sommes pas d'Israël. Non. Nous ne connaissons pas le Dieu d'Abraham. Non, mais vous et moi, aujourd'hui, ben nous prions le Dieu. Mais quel Dieu que nous prions? Nous prions le même Dieu qu'Israël priait. Amen. Nous servons ce même Dieu-là qu'Abraham a servi. Amen. Et quelle grâce encore que nous avons, nous, c'est que dans ces états, dans le monde, effectivement, parmi ces nations, Dieu vient encore. Amen. Dans les nations, Dieu vient encore choisir un peuple du milieu des nations. Amen. Et ça, c'était écrit avant que toi et moi, nous soyons au monde. Alléluia. C'est sûr et certain. Amen. Avant que même nos pères, nos arrières, grands-parents, ainsi, ne puissent même exister. Ça, c'était écrit. Alléluia. Donc, Dieu l'avait déjà annoncé. C'est vrai. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts. Nous vivons effectivement la réalité de ce que Dieu avait annoncé et que nous sommes dans l'actualité effectivement de l'événement de Dieu lui-même. Dans quoi effectivement Dieu travaille vraiment parmi les nations et en Israël, il n'y a rien. Bien sûr. Et c'est sûr et certain. Donc ça, même un aveugle, il a quand même des oreilles. Il peut donc aussi entendre. Mais si maintenant, on laisse les aveugles à côté, effectivement, des incroyables. Mais toi, frère et toi, soeur, tu devais avoir... Ces choses devaient te donner l'assurance, effectivement, de réaliser que le Dieu d'Abraham, il travaille vraiment, maintenant, avec un peuple. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes des gens qui sont meilleurs, non, c'est parce que lui-même, il avait dit, et que par la grâce de ses dieux, nous nous sommes trouvés dans ce peuple-là. Amen. Que ce peuple que Dieu a dit qu'il s'est choisi un peuple du milieu des nations pour qu'il porte réellement son nom. Amen. Et quand Dieu l'avait annoncé, effectivement, tu ne le savais pas. Mais maintenant, Dieu confirme en toi et au travers de toi que la parole qu'il avait annoncée est la vérité. Amen. C'est pourquoi toi ne viens pas dire... Parce que je vais être baptisé au nom de l'Église parce que mon cousin l'a fait ou parce que ma maman l'a fait. Ça ne sert à rien. Tu le fais parce que Dieu t'a convaincu. Amen. Tu le fais parce que tu sais que c'est vraiment la vérité et que cela a confirmé quelque chose au-dedans de toi. Alors, à ce moment-là, le baptême pour toi a un sens. Amen. Autrement, ça ne sert à rien parce que beaucoup se font baptiser et après vous brûlez en vie par la suite. Mais quand on sait pourquoi on est baptisé, alors les choses sont différentes. Donc, Job, c'était un homme qui s'accrochait ainsi à la parole de Dieu. Et on pouvait voir comment Dieu faisait aussi dans la vie de Job. Et tout le monde qui était effectivement dans la même contrée que Job, regardait comment cet homme Job était et qui rendait aussi témoignage de Job. Parce que vous pouvez voir comment ses amis, quand ils ont appris effectivement la situation, ils n'en sont pas revenus que cela pouvait arriver à Job. Parce qu'ils connaissaient la vie de Job. Chaque enfant de Dieu, chaque véritable fils de Dieu, frère, nous sommes un livre, frère. Amen. Nous sommes une histoire, effectivement, que nous écrivons, et que les gens même qui sont autour de nous dans ce monde doivent quand même lire quelque chose de toi. Amen. Qu'est-ce que les gens vont lire de ton histoire à toi? Tes voisins, tes frères et tes soeurs, en fait, qu'est-ce qu'ils vont lire? Les jours où toi, tu partiras, qu'est-ce que tu vas laisser comme écrit sur la terre? Job a laissé un écrit sur la terre. Qui aujourd'hui, quand on te parle, effectivement, tu sais, il y a eu un homme, et c'est vrai, cet homme s'appelait Job, il a vécu sur la terre. Mais toi, quand on va faire référence à ton nom, qu'est-ce qu'on dira de ton nom? Qu'est-ce que tu as fait vraiment sur la terre? Quelle grâce tu as laissé, en fait? On dira, ah, ces frères-là, on les connaissait. C'est comme ça qu'on dira. Il venait à l'assemblée simplement le mardi, les autres jours. On comprend pourquoi les choses sont arrivées comme ça. C'est comme ça qu'on parlera de toi. On a beau parler, faire, prier Dieu, on les voyait quand un dimanche simplement, ils chantaient, et puis la semaine, on ne les voyait pas. C'est comme ça qu'on parlera. Donc, ce que toi tu fais, c'est un livre que tu écris. Amen. Mon frère, ma soeur, le jour où on va fermer ton corps dans un cercueil, les gens parleront après. C'est vrai. Oh, mais c'est vrai quand même, tu sais, quand même en église, quand même, on ne les voyait pas souvent. Mais Job va laisser un témoignage particulier, s'il vous plaît. Amen. Toi, quel témoignage tu vas laisser? Sœur, qu'est-ce que tu vas laisser comme témoignage quand tu vas partir? C'est ça que tu dois comprendre. Oui, c'est vrai.
Chacun de nous, un livre d'histoire, il doit léguer à l'humanité lorsqu'il partira. Ah oui. Nous écrivons quelque chose. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Dans votre vie, votre façon d'être, témoigne que vous avez quelqu'un que vous rendez témoignage de ce que vous êtes, ce qu'il a fait de vous. Pourquoi je dis je suis comme ça? Parce qu'on a parlé d'eux, parce qu'il y a eu quelque chose, s'il vous plaît, qui est entré dans leur vie. Moïse, je ne le connaissais pas. Mais Moïse, aujourd'hui, il a laissé les écrits. La vie de Moïse, mon frère, a été un livre que nous lisons aujourd'hui. David, on le prend aussi. Si on prend David, effectivement, eh bien, quand mon précieux frère aime bien, ça va, mon frère? Et aime bien lire aussi les psaumes, ce sont les chansons. Amen. Et ça, c'était les chanteurs qui aimaient tellement Dieu, c'était Amen. Donc David. Amen. Un roi de l'éternel qui aimait tellement Dieu. Aujourd'hui, on se résume en lisant les psaumes. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Comme une épine soupira après des courants d'eau. L'éternel est mon berger, n'est-ce pas vrai? Amen. Tout ça, c'est David. Amen. Aujourd'hui, tu vois combien ça te rend joyeux, non? Amen. Eh bien. Donc, quand tu pries, mais Seigneur, que vraiment David soit béni. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on dira de toi? Que sœur Yvonne soit bénie ou que sœur Yvonne soit oubliée? C'est ça le problème. Je parle d'Yvonne parce qu'il n'y a pas d'Yvonne ici. Mais s'il y a Yvonne ici, qu'elle me pardonne. Donc, vous comprenez? Oh, mais, vous savez, et quand on parle, mais, oh, frère tel, une autre fois, il m'a dit, vous savez comment ils vont dire, il est parti, puis il dit, oh, de toute façon, il n'était pas toujours à l'assemblée, hein. Bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On te met dans la cercueil, on rentre à la maison et dit, bon, tu sais, sœur, il n'était toujours pas là. Et puis, quand on a même des problèmes, les frères n'étaient jamais là. C'est pour ça, quand un sœur ou un frère, pardon, vient frapper chez toi, ah, frère Jean Gabin, ah, mon frère, c'est vraiment, je suis dans une situation, est-ce que tu peux pas? Alléluia, frère, oh là là, puis à cette heure-ci, il est quelle heure, sœur? Tu n'as pas remarqué un peu, tu n'as pas regardé l'heure? Parce que, non, je ne suis pas méchant, mais c'est parce que si les enfants demain, ils vont à l'école, hein? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il est venu chez toi, d'ailleurs, l'accueil que tu lui fais, même cet état, effectivement, ça brise le cœur de la personne. Vous savez, quand quelqu'un vient, c'est dans le malheur. Alléluia. C'est quand on est dans le malheur qu'on reconnaît son frère, son ami et la personne qui est là. Mais c'est vrai cela. Et ça, c'est important, mon frère et ma soeur. Parce que Dieu nous instruit, frère. Le frère qui est en face de toi, la soeur qui est en face de toi est comme toi. Dans son difficulté, dans ses épreuves, il a besoin de toi comme toi aussi un jour. C'est pourquoi il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Quand l'autre vient vers toi, ne te mets pas comme ça, mets-toi à sa place. Si moi j'étais lui, comment je réagirais et comment j'attendrais qu'on réagisse à mon problème? Pour l'amour de Dieu, frère et sœurs, on doit apprendre. C'est sûr et certain. Savoir ce que nous voulons et faites à ton prochain ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Je dois avoir une réaction, effectivement, à l'endroit de mon frère et de ma soeur, comme le Seigneur attendrait de moi. Donc, nous parlions donc de tout cela, comme Job, effectivement, comme David, effectivement, voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, comment, quand nous parlons de ces gens-là, comme même Salomon, tout cela, nous nous réjouissons quand on pense à ce que la reine de Séba qui était tellement si loin, quand on pense effectivement à ce que c'est des femmes effectivement qui avaient eu des enfants et l'un d'eux a perdu un enfant effectivement, sont accrochés à un seul enfant, quand on pense comment Dieu a donné la sagesse, donc quand on pense à cela, dit mais gloire au Seigneur, là-bas il a donné, même la femme, vous savez quoi, c'est la reine de Séba, dit oh là 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 là, quand elle a vu ce que Dieu avait donné comme sagesse à Salomon, ses questions étaient répondues, il dit mais hors d'elle-même, il dit mais oh. Il dit, ce qu'on m'a raconté de mes parents, comme c'est comme les voix, il me dit, mais c'est parce que l'Éternel aime réellement son peuple qui t'a donné comme roi. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qu'on dira de toi? Dieu veut que tu fasses l'histoire avec lui. Pour que même les jours où tu n'auras pas cette terre, mon frère et ma soeur, quand on citera ton nom, les gens aient du respect.
Celle-là, oh oui, c'est sûr et certain. S'il y a une sœur auquel on pouvait parler qu'elle aimait tellement Dieu. En tout cas, faut pas, vous savez, après la mort, faut pas rendre des faux témoignages. Hein. Comme les gens, oh, il était bien, c'était un bon frère, c'était une bonne sœur, alors que tu mens. Une bonne sœur qui aimait Dieu, alors qu'il n'aimait pas beaucoup Dieu. Non, faut pas faire des éloges inutiles qui ne servent à rien, parce que ce n'est pas vrai. Tu mens devant les hommes, c'est pas normal. Non, cette sœur n'aimait pas Dieu, elle n'aimait pas, je n'ai pas dit qu'elle n'aimait pas, bon, vous comprenez. Et pas quand même pas aller l'enterrer, vous dire que tu n'aimais pas Dieu, on va pas t'enterrer comme ça. Non, hein. On va simplement prier Dieu, parce que bon, il est parti, il est... je donne un exemple, hein. Vous comprenez. Donc, mais quand il n'aimait pas Dieu, il n'aimait pas Dieu, on sait qu'il n'aimait pas Dieu. On ne va pas dire à tout le monde, alléluia, cette sœur était vraiment une sœur bénie qui aimait Dieu, qui ne manquait pas à l'église, alors qu'elle n'était pas souvent à l'assemblée. Non, on doit être vrai. C'est pour ça, c'est maintenant que la parole de Dieu nous montre effectivement ce que nous devons faire maintenant pour que lorsque même nous partons avant qu'il ne vienne, nous laissons un témoignage aux hommes. Nous laissons un témoignage effectivement pour nos enfants. Bien sûr, c'est ce que Abraham a été, ce que David a été pour Salomon, ce qu'ils ont été effectivement pour leur postérité, ça aussi. C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma soeur. N'oublie pas, tu es tout le temps égoïste en pensant à toi, mon job, mon ceci, mon cela. Sache qu'effectivement que tu écris les livres avec ton job, les jours où tu partiras. Ton témoignage. Vous savez, c'est quand même, on va le voir, on va mettre ça en balance. On pourra maintenant savoir, est-ce que vraiment... ses frères ou ses frères en question, est-il vraiment allé à la présence de Dieu? Parce qu'on nous dit que vos œuvres vous suivront. C'était qui dans Apocalypse? Quelles sont les œuvres qui vont te suivre, ça? Et toi, frère, quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Je ne sais pas, moi, mais bon, toi-même, tu sais. Or, le Seigneur nous accorde une grâce particulière. Ce que nous puissions arriver à pouvoir sortir de notre environnement tout à fait naturel pour entrer dans sa dimension, afin que nous puissions faire quoi? Nous pratiquons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et pour moi. Ces œuvres-là sont des œuvres bénies. Alors là, je suis dire que même si ça me suit, c'est pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas fait ça avec le motif d'intention, effectivement, non. J'ai fait cela parce que j'étais devenu une nouvelle création. Étant une nouvelle création, je ne suis plus la même personne. Donc je ne pense plus égoïstement parce que l'égoïsme est parti. Donc ce qui se passe en moi, c'est que c'est simplement la nature de Dieu. C'est vrai. Comme sa divine puissance. Vous a tout donné, n'est-ce pas? En rapport avec la pitié, l'amour. Vous connaissez, non? La pyramide qu'on a vue ici. Nous arrivons à pouvoir monter, effectivement, pour que nous atteignions ce stade-là. Frères et sœurs, ça c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, alors que tu es encore vivant, tu es encore vivante, le Seigneur te dit, mais toutes ces choses sont possibles. Pourquoi chercher à mener une vie qui n'est pas... Bon, parce que celle-là, les traces que tu vas laisser sur la terre, c'est quoi? La Bible dit que la postérité du juste sera bénie. Vous savez cela, non? J'aime bien aussi amen aussi gros. Hein? La postérité du juste sera bénie. Est-ce que vous avez entendu? Donc, ta postérité à toi, toi qui es juste, sera béni. Mais si tu n'es pas juste, qu'est-ce que tu vas léguer à ta postérité? Tu es là, mon bébé, aïe, 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 Dieu soit béni, protégé, on touche, ah, touche pas au mien. Mais pour que ce tien-là soit aussi bien et protégé sur la terre, il faut que toi, tu fasses quelque chose. Mm-hmm. J'aime Yokebed. Dieu te bénisse. J'aime Yokebed. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Yokebed? Ah oui. Yokebed a pris ce qui lui était le plus précieux, effectivement. Il dit, non, je connais un Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu, j'ai les témoignages, qu'effectivement, qu'il a fait cela avec nos pères. Et voilà que le mien ici, non, 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 non. Seigneur, je te le confie. Amen. J'ai foi en toi. Amen. Malgré les crocodiles, Alléluia. Malgré les serpents, oh. Malgré tout ce qui est passé, effectivement, que mon bébé à moi, que j'ai mis au monde. C'est pas facile pour une femme, c'est pas son enfant. Hein. Mon bébé à moi, Seigneur, je te le confie. Amen. Quand tu as foi ainsi en Dieu. Amen. Oui, monsieur. Et Dieu a prouvé à Yokebed en disant, tu as eu foi en moi. Amen.
Tu as même donné ton enfant sans même avoir appelé, mais l'éternel notre Dieu protégera. Malgré tout cela, dit Yokele, tu l'as fait. Oh, frère et sœur. Dieu que nous aimons, il est un Dieu parfait. Il ne t'abandonnera jamais, monsieur. L'épreuve peut être tellement plus haut que les montagnes, frère et sœur. Ça s'abaissera encore plus bas. À cause de ta foi à toi, à cause de ton amour à l'endroit de la parole de Dieu, monsieur. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu a toujours eu à pouvoir dire. Les épreuves viendront toujours, monsieur. Mais sache que la victoire est toujours là. La victoire ne descend pas, elle est toujours là pour toi. L'épreuve vient, la victoire est là. Tu tiens la victoire, l'épreuve partira. Chaque fois que l'épreuve viendra, souviens-toi qu'il t'a dit à toi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Il dit, tu auras des perturbations, mais ne crains pas. J'ai vaincu le monde. S'il a vaincu, il a vaincu pour toi. Donc tu as la victoire. C'est sûr et certain, 100% vrai. Et pour encore te fortifier, il te dira, mais souviens-toi de David, devant Goliath. C'était une montagne, un petit enfant. Il n'avait même pas l'épée, mais il avait simplement la parole de l'Éternel. Il dit, tu viens à moi au nom de ton Dieu, de tes dieux, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel. Et c'est pour ça que je couperai ta tête. Il a prononcé les paroles par la foi. Ce que tu dis à l'ennemi, ça va s'accomplir. Alléluia. Vous savez, nous l'avons entendu avec vous dans le psaume 138. Je remets moi, je chanterai devant les Elohim. Donc vous êtes des dieux. C'est 100% vrai. Il a dit non. Si votre foi t'est comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, toi quitte-la. Et oh toi, il va quitter. Il va t'obéir. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Il y a un livre d'histoire que toi, tu dois écrire. Un témoignage que tu dois laisser comme nos sœurs le chantent. Fais de moi un témoignage. Sur cette terre. Ah, j'aime beaucoup ce cantique. C'est surtout les paroles qui sont là. Quand on les chante, si vous écoutez bien. Donnez-moi de ton amour. Amen. Cet amour pur et saint. Amen. Oh oui, ça doit nous réjouir, n'est-ce pas? Nous devons être reconnaissants à notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous en réalité. Et nous devons réaliser que toutes ces choses-là que les saintes écritures nous parlent, ils nous sont donc accessibles. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et toi et moi, nous sommes censés être la parole. Ce qui est inscrit dans les saintes écritures est censé trouver une place dans chacun de nous. Donc, cet homme, Job, on aura des témoignages de lui, effectivement, comme le voisin, comme le voisine, les frères, comme les sœurs. Quels sont les témoignages que les voisins, les voisines peuvent rendre de toi? C'est vrai, hein? Parfois, nous sommes chrétiens quand nous sommes à l'Assemblée. Et en dehors, nous sommes pires que les païens. Parce que les païens, vous savez, ils ont une vie qui est la vie du monde. Moi, je ne sais pas pourquoi vous, frères et sœurs, vous vous battez pour être toujours à la mode. Quand les sacs de crocodiles sortent, je veux aussi les crocodiles. Quand les sacs de serpents sortent, je veux aussi les serpents. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis toujours posé la question. Oui, quand j'étais dans le monde, oui, toutes ces saletés-là, on le suivait. Mais ce n'est pas si nous n'étions pas délivrés. Nous avions les esprits des serpents, les esprits des crocodiles, les esprits encore des lézards. Donc, tout ça, on les avait. Donc, quand on avait les lézards sur nous, on se sentait bien parce que c'était les démons des lézards qu'on avait. Mais oui, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ce genre de choses. Nous avons l'esprit de Christ. C'est tout à fait différent. J'ai plus besoin de lézards ou de crocodiles, effectivement. C'est vrai.
Pourquoi vous vous tuez pour ce genre de choses-là? Et puis, comme mon frère disait autrefois, on vous voit dans les photos là avec des sacs bizarres là, comme ça. Alors, on voit la sœur qui prend la photo, qui met les sacs devant. Ah oui, il fait les pieds comme ça, donc tu vois la chaussure, tu vois la jupe, tu vois les sacs. Donc ça va, mais c'est vrai, c'est comme ça que vous faites. C'est frères et sœurs, vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir dire, frère, quand vous venez dans cette assemblée, c'est pas n'importe où. Quand vous faites quelque chose, Dieu m'accordera la grâce de pouvoir le savoir. Que vous ouvrez des Instagram, que vous cachez les choses, je le sais. Même vos enfants, si vous dites ce que vos enfants font avec vos Instagram, vous serez étonné. Les petits que vous voyez, c'est que je suis, ils vous dansent comme des gens du monde. Ils pensent que je ne le sais pas. J'ai vu ça, comment ils dansent. Je peux les citer leur nom et faire venir ici. Et quoi que les pasteurs ne savent pas, je les regarde simplement. Ils vous dansent. Vos enfants ici, je vous cite les noms, vous allez pleurer. Ils vous dansent comme avec les jambes là qui font piquiti, piquiti, piquiti. Moi, je sais tout ça. J'ai dit, ici, ne jouez pas. Amen. Que ce soit vous, frères et sœurs, avec vos boîtes que vous fermez avec cadenas, ainsi de suite. Je le sais. Pourquoi vous cadenassez? Parce qu'il y a des choses que vous faites à l'intérieur, vous ne voulez pas qu'on puisse le voir. Tu es une sœur, ouvre les cadenas. On va, paf, on a bloqué, il faut un code. On a bloqué, c'est privé. Qu'est-ce qui est privé? Je peux vous citer le nom à vous tous. C'est vrai, frère. J'ai dit, ici, il ne faut pas jouer, frère. Vous pouvez le faire à l'église catholique, mais ici, pas ici. Pas ici, parce que Dieu le fera savoir. Vous savez, c'est ça qui fait mal. Je souffre beaucoup. Je dis, mais Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Ce peuple entend la parole. Comment on peut... Vous avez des sœurs, ils font des photos sur les terres avec les lèvres tournées comme ça. Les autres, ils ont des langues de serpent qui sont avec des oreilles de chien. Je ne sais pas, moi je ne peux pas comprendre... Vous, on chasse des démons en vous, vous les faites revenir. C'est vrai, on dit, mais il ne faut pas avoir la langue des chiens, et vous d'ailleurs, vous mettez la langue des chiens. Alors vous venez, alléluia frère, je suis pas bien pour prier. Mais on a chassé des démons, ne jouez pas, c'est vrai, hein, et vous les ramenez. Ah mais oui, le pasteur ne saura jamais. J'ai dit, sinon, vous le faites, Dieu le manifestera. C'est pourquoi nous devons avoir la crainte et le respect dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai toujours dit, quand je vous regarde, je fais comme si je n'ai rien vu. Mais Dieu m'a accordé la grâce de voir ce qu'il en est. C'est ça qui me fait souffrir. Oui, madame. Oui, monsieur. Donc, alors là, Job, lui, sa vie était une vie tout à fait différente, Job. Oui, il n'avait pas d'Instagram, ni de Facebook, ni de WhatsApp, même si elle n'avait, il n'allait même pas faire ce que vous faites. Moi, je dis, bébé, avec vos WhatsApp, gloire à Dieu, faites passer les prédications, donnez aux gens la possibilité. Vous traversez, c'est comme je dis, oh, si c'est le monsieur là qui dit des cachamars, je ne sais pas comment il s'appelle, là, ah, bah, qui parle, tiens, tout ça, et vous dites, oh, quelle prédication. Alors, quand vous écoutez très bien, il n'y a rien là-dedans. Il a fait tellement de bruit en parlant des églises. Mais j'ai eu l'occasion d'écouter. Je ne parle pas de choses que je n'ai pas écoutées. J'ai dit, mais j'ai même dit à une soeur, je dis, mais ma soeur à moi, qu'est-ce que tu as reçu de bon là? Qu'est-ce que vous avez reçu de bon? Et j'ai dit, mais et vous le partagez comme ça. Alors que vous avez la parole de Dieu, que vous avez honte de pouvoir partager toutes ces choses-là, vous les partagez, ça ne donne même pas la vie. Ce n'est que le bruit simplement pour rien. Toi, tu as besoin de donner la parole qui transforme un homme. Tu seras aussi jugé pour cela, non? Tu as gardé ce que Dieu t'a donné. Tu as publié quand on t'envoie, oh oui, et l'amour de ceci. Vous aimez tellement des choses là. L'amour, il a aimé. Et puis l'histoire de l'amour avec les petits cœurs, là, alors là, on publie sur tous les réseaux. Mais quand il s'agit de l'amour de Dieu pour la parole de Dieu, là, vous ne publiez pas. C'est ça. Enfin, bref. C'est votre droit, c'est votre vie. Ici, nous parlons pour le peuple de Dieu. Pour que les enfants de Dieu comprennent effectivement ce qu'il faut faire, de quelle manière il faut faire les choses, effectivement. Ce que nous avons comme instrument, comment l'utiliser. C'est la bonne manière. Parce que vous savez, les gens qui vous regardent dehors dans vos choses-là, ils vous disent, mais ça, c'est le frère tel. Ouh. Ah, il m'envoie une photo avec le prince de Galles. Il dit, oh frère, toi, tu deviens le prince de Galles. Moi qui t'ai pensé que tu étais un frère en Christ, qui pouvait me nommer le prince de Galles. Il dit, je ne sais pas, avec les adjectifs que vous vous collez là, effectivement.
Et vous trouvez ça beau. Et puis vous qui êtes là, quand vous voyez qu'il y a un président Galles, puis tu dis, oh, I like. C'est ça, non? Vous avez des I like avec les petits cœurs qui circulent comme ça. Là. Et lui, à ce moment-là, il se sent. C'est comme ça que, et quand vous vendez les bois, ah, c'est très joli, c'est très joli. Donc vous admirez sur les choses là, avec, et ainsi, et vous trouvez ça bien. Les mondains font la même chose. Il n'y a rien que vous les apprenez. Il dit, mais nous sommes excellents dans cela. Donc vous êtes encore des élèves, donc vous apprenez encore davantage d'eux. Cet esprit du monde revient progressivement et sournoisement. Et voilà, c'est parti. Ah, ben, bref. Alors, là, on pouvait voir que Job, lui, sa façon d'être était tout à fait différente. Et cet homme servait Dieu de tout son cœur, en fait. Or, quand un homme se tient dans la présence du Seigneur et qu'il aime Dieu, on voit que même son intérieur est complètement tout à fait différent. Sa façon de concevoir les choses et de penser les choses. Comme nous l'avons entendu, il n'est pas là que quand il te voit souvent comme ça, il voit toujours le mal. Non. Si toi, c'est le fait que tu vois seulement des frères et des sœurs, je joue le mal dans ton esprit, il faut demander qu'on prie pour ta délivrance. C'est vrai, sœur, c'est vrai, mon frère. Nous, on doit avoir des yeux tout à fait innocents, penser toujours du bien. Si c'est le mal, j'attends que Dieu me dise. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, ce que je veux savoir, continuellement la communion avec Dieu, je ne veux pas avoir une pensée mauvaise dans mon esprit. Seigneur, je veux, si on me dit qu'il est vraiment un âne, j'accepte. Il est vraiment quelqu'un qui me dit, j'accepte. Mais ce que je veux, Seigneur, c'est être en communion avec toi. S'il vous plaît, frères et sœurs, qui pouvait aller dire à Élisée, je pense, que le roi là-bas, dans sa chambre, faisait des calculs pour dire que comme Israël, nous combattons avec, on va passer là-bas à gauche et à droite. Il y a quelqu'un qui a quitté là, en Syrie, pour aller des montagnes jusqu'en Israël, dans la chambre des rois, des prophètes. Toi, prophète, écoute, là-bas, voici que là. Non, personne. Mais qui les lui révélait? C'était Dieu. C'est le même Dieu que tu sers. Eh ben, Seigneur, je veux avoir les yeux qui sont ouverts, mais qui ne regardent que toujours vers le bien. Mais c'est vrai. Les yeux toujours vers le bien. Toujours, je pense toujours au bien, je vois toujours le bien. Je ne vais pas souiller ma pensée, toujours. Oh, tu sais, c'est pour ça, le fait que tu entends, il dit, mais tu sais, hein. Il a dit, hein. Il dit, ah, s'il te plaît, parce que mon cœur veut être pur. Et là, j'ai envie d'aller à la maison, c'est pour pouvoir prier. Et tu sais, là, dis-moi, tu sais, oh, tu sais ce que le Seigneur a fait de merveille. Ah, il dit, ah oui, j'étends mon oreille pour entendre ce que Dieu a fait pour moi, pour mon frère et pour ma soeur, pour que mon âme soit dans la joie. Job était comme cela. Et voilà que pendant que Job était en train de vivre comme ça, mon frère, ma soeur, Job, s'il vous plaît, votre attention, je vais aller plus vite pour vous laisser partir, parce que je dois partir aussi après. Job, ne pensait pas, ne fût-ce qu'un seul instant dans son esprit, ni dans son subconscient, qu'il était en train d'écrire un livre d'histoire dans sa vie. Qu'il faisait ça pour que, après lui, on puisse parler de lui. Non! Job ne pensait même pas ça. Il n'avait même pas l'idée de cela dans son subconscient, rien. Oh, pendant qu'il vivait comme ça, c'était Dieu qui écrivait les livres de Job. Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. Frères et sœurs, la sincérité dans les choses de Dieu est une chose très importante. La droiture, mon frère et ma sœur, c'est là que Dieu prend plaisir en toi. Quand tu es droit et sincère, Dieu fait une histoire avec toi. Ne sois pas double, tu es là, alléluia, mais au fond, tu n'es pas vrai. Non, sois vrai. Et ne fais pas parce que je fais ça pour qu'on fasse pour moi après. Non, je fais ça parce que c'est bon de le faire. Là, tu écris un livre avec Dieu, monsieur. Regardez, cet homme David, mon frère, ma soeur, quand étant roi avec son trône et tout ça, effectivement, si un roi qu'on honore, qu'on respecte, effectivement, il faisait, vous connaissez comment David était, n'est-ce pas? Et voilà que, les chants de fidélité, sécurité passaient avec l'âge de l'Éternel. L'homme, quand il a vu l'âge, il avait la parole de Dieu. Non, cet homme n'est pas resté insensible. Il a pris son manteau, il a jeté. L'homme s'est levé, saisi par l'Esprit du Seigneur. Il a commencé à danser.
Il ne s'est pas occupé que la madame telle va penser quoi de moi, ou les gars de telle va penser ça c'est de moi, ou ceci. Non, monsieur. Il a commencé à danser, peu importe ce qu'il veut dire. Lui, il a dansé. Et voilà que sa femme, Milka, qui était plus loin, qui a regardé, qui aime les honneurs, les considérations, le respect pour dire que moi, ainsi. Et puis il dit, oh, c'est comme ça, un roi, il s'est laissé comme ça devant son peuple. Il s'est tenu comme ça, effectivement, et il danse comme ça devant le peuple. Un roi, le roi, mais c'est pas possible. Et l'homme lui dit, effectivement, mademoiselle ou madame, ce n'est pas devant toi que j'ai dansé. Que m'importe ce que le peuple peut penser de moi, c'est devant l'Éternel mon Dieu que j'ai dansé. Oui, monsieur. Alléluia. Oui, Job n'a pas fait cela pour qu'il soit loué par les hommes. Non, monsieur, ne fasse pas cela, ne faites pas cela pour que les hommes disent bien. Non. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous le faites tout votre cœur, les hommes vous loueront. Oui, monsieur. Oui, madame. La femme a été frappée de stérilité, vous savez, non? Parce qu'elle a manqué de respect au serviteur de Dieu. Ce n'est pas devant toi que j'ai dansé. Devant l'Éternel. Que j'ai dansé, que j'ai chanté. Comment pouvais-je rester insensible? C'est pourquoi il faut pas, on va la prendre des saluts, des attitudes. Ça ne sert à rien. Tu veux être comme ça, va faire ça dans le monde. Ici, nous avons besoin des gens simples. Amen. Je vais avoir, quand je m'approche de mon frère, je sens qu'il est simple. Ah oui, non. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, sœur. Non. Oh, Dieu a dit, oh, le message a dit, oh, ce côté-là, oh, sœur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, petit Dieu. Hey, frère, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je cherche un frère qui s'assied avec moi. Même s'il partait sur ma poitrine, il dit gloire à Dieu. Parce que mon Seigneur, mon Dieu en moi, était assis et Jean mettait sa tête là. Frère, alléluia. Oh mon frère, nous avons manqué beaucoup. À cause de la prestance de ceci, qu'on voit que je suis spirituel. On ne sait pas ce que spirituel. Quand on me voit, on s'approche pas parce qu'il est spirituel. Non. Le Dieu le plus spirituel. Il était là assis. Alléluia. On l'approchait, on l'est touché. Gloire au Seigneur. Voilà le Dieu que moi je veux. Alléluia. Lesquels toi tu veux, monsieur? Nous avons besoin de cela, mon frère. Mon frère a besoin de moi, ma soeur a besoin de moi. Nous ne sommes que des frères et sœurs. Nous voulons avancer dans les choses de Dieu. Nous avons besoin de ces dieux. Nous accorder la grâce de vivre et d'être un peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, c'est vrai, les temps sont tout à fait particuliers. Aujourd'hui encore, nous sentons ce désir de pouvoir nous tenir dans cette présence glorieuse qui est la tienne, mon Sauveur, et d'apprendre à pouvoir vraiment te servir de la bonne manière, mon Père. Oh oui, Père, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Que ta main puissante et glorieuse conduit encore aujourd'hui. Je te remercie encore. Oh, réforme ma vie, mon bien-aimé Seigneur. Et accorde-moi la grâce, mon Père Saint. Fais de même aussi pour mon frère. Et ce frère que tu m'as donné la grâce d'avoir cette terre dans ce bas monde. Fais de même pour ma soeur. Fais de même pour mon fils, pour ma fille, mon petit-fils, pour mes enfants. Pour ton peuple encore, pour chacun d'eux, Père, et à cause de ton saint nom. Tu es le Dieu qui délivre encore, mon béni, mes Pères Saints, et qui accorde le soutien et le secours. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur, Père. Oh, c'est vrai. Tu veilles sur la postérité de ceux qui sont à toi. Et j'implore ta grâce encore. Pour mon frère et pour ma soeur et pour leurs enfants, mon béni, mes Pères Saints, leur postérité, Seigneur. Sois aussi béni. Je t'aime. Tu es le Dieu qui nous conduit encore dans ce temps où nous sommes. Qui démontre que tu n'as pas changé, Père. La gloire et l'honneur te reviennent. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Comment ne pas te louer, Maître béni? Je m'incline devant toi.
réalisant ton amour à notre endroit et ta conduite, Père. Tu es le Saint. Tu es vraiment le Saint. Tu es vraiment le juste Père. Oh oui. Mon âme t'est reconnaissante encore aujourd'hui. Pour tes grandes compassions. Je te remercie encore pour ton béni. Fais-moi grâce, mon bénévole, Père Dieu. Merci pour ta grâce encore aujourd'hui. Combien tu es bon. Combien tu nous aimes, Seigneur. Et chaque fois, tu nous montres la voie juste. Qu'est-ce que je peux te donner, mon sauveur? Ma vie n'est rien, mon bénévole, Père Saint. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Aide-moi, Père, aide ce peuple, je t'en supplie. Merci pour ce frère et ce soeur que tu m'as donné la grâce de pouvoir avoir et qui persévère en ces lieux, et ceux qui sont aussi en connexion et toutes ces églises que tu attires encore aujourd'hui, Père, pour écouter la parole qui est prêchée en cet endroit au travers de ce ministère que tu m'as donné. Je te remercie, Père. Merci pour les dons. Merci pour Christian. Bénis cet enfant, Père, que tu le soutiennes. Tu le fortifies. Merci pour la chorale. Merci pour les enfants, Père. Que tu accordes la grâce, mon bénévole, Père Saint. Pour chaque frère et chaque soeur, nos enfants qui sont ici. Je te loue de tout mon cœur. Je t'exalte, mon Père. De toute mon âme, mon bénévole, Père Saint. Louange et honneur à toi. Toi qui ne changes point, Père. Toi qui es l'étoile brillante du matin. Merci, Sauveur. Nous te croyons, mon Sauveur. Nous avons besoin de ces dieux très hauts qui agissent, Seigneur, qui transforment nos vies, mon Sauveur. Merci, Père. Gloire à toi. Louange et honneur à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, mon Sauveur. Oh, l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, toi le Yahvé de l'Ancien Testament, toi le Dieu très haut, tu t'es fait homme, mon Sauveur. Tu es venu sur cette terre, mon Père, pour vivre pour nous. Béni soit l'Éternel, mon Dieu. Merci, Sauveur. Gloire, honneur à toi. Oh, Dieu du ciel, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et ta grâce et tes compassions. Merci pour cette œuvre grandiose et glorieuse accomplie à Golgotha, Père, à laquelle j'ai la guérison, oui, mon Sauveur, à laquelle j'ai la délivrance, mon bien-aimé Père Saint. Garde ton peuple en ces lieux, Père. Et tu le protèges, mon bien-aimé Seigneur, que tu leur accordes la paix et la grâce, mon Sauveur. Touche le cœur et agis. Et ouvre les portes, mon bien-aimé Seigneur. C'est ton œuvre, Père, et pour voir, nous combattrons, Père, le bon combat. Donne-nous cette grâce de vivre pour toi, Père. Merci. Oh oui, Père, nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, ta grâce et ton amour et tes compassions. Louange et honneur à toi. Béni soit ton saint nom. Oui, tu es l'alpha et l'oméga. Merci. Merci. Oh, Dieu du ciel, Maître béni, bénis cet enfant, Père, soutiens. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère, merci pour nos enfants. Oh oui, Père éternel, merci, Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci, Sauveur. Oui, Maître béni, donateur de tout don excellent, consolateur des affligés. Merci, Sauveur. Merci, Père. Oh, nous te sommes vraiment reconnaissants. Aide-nous, Père, et remplis encore avantage et soutien, mon Sauveur. Oui, oui, Maître béni. Je t'en supplie de pouvoir agir et entendre les prières qui montent devant ton trône de grâce. Ramène à la vie, mon Sauveur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, louange et honneur à toi. Transforme, Père. Remplis, mon bénévole Seigneur. Merci, Père. Oh oui, Père. Merci.
Amen. Oui, Père. Merci. Louange à toi, Père. Tu es le Dieu qui guérit encore mon sauveur. Tu es le Dieu qui accomplit encore de merveilles, mon bénémoine, Père Dieu. Oh, qui soutient, qui relève le faible, mon roi. Merci, sauveur. Merci. Merci, sauveur. La gloire et l'honneur te reviennent encore, mon passé. Merci. Merci, sauveur. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons réellement sur ton secours. Nous te désirons et nous t'aimons, Père. Aujourd'hui encore, mon âme te reconnaissante, mon maître. Pour t'y offrir, oh Dieu, accorde-nous la grâce, mon Père céleste. Loué soit l'Éternel, mon roi. La victoire, tu nous as accordée, Seigneur. La grâce, nous l'avons reçue de ta part. Béni soit ton saint nom. Tu es dit d'être adoré, Père. Oui, Père, merci. Merci encore pour ce temps béni, Père. Oh, tu es un secours qui ne manque jamais. Au temps de la détresse, mon Seigneur, je crie encore vers toi. Pour mon frère et pour ma soeur, sois béni, Père. Merci pour ma soeur Esther, merci pour chaque frère et soeur, merci pour ton père, ma soeur Carole, chaque enfant de Dieu, Père. Je prie pour tous tes enfants là où ils sont, Père, partout en Allemagne, en Espagne, en Irlande, partout, Père, en Afrique, oh Dieu, en France, partout, dans chaque lieu, chaque contrée, Père. Nous te remercions. Oui, Père. Merci, ça va. Merci, ça va. Merci, Père. Tu agis, Père, mon Dieu. Ta main est puissante, mon roi. Nous la voyons, oui, Père. Elle accomplit des merveilles, mon sauveur. Tu es mort pour mon frère, tu es mort pour ma soeur. Merci pour cet enfant. Qu'elle soit guérie dans son corps, dans son sang, Père. Et transformée par toi, oui, Père. Merci pour tout. Merci. Pour mon frère et pour ma soeur. Oui, Père. Béni soit ton Seigneur. Oui, Père. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Oui, Père, merci. Merci, Père. Merci. Merci, mon Père. Gloire à toi. Honneur à toi. Oui, Père. Merci. Merci. Merci, Père. Louange et honneur à toi. Oh, Dieu très haut. Merci. À toi la gloire. Oui, Père, merci. Oh oui. Gloire à toi. Nous te remercions, mon Sauveur. Nous sommes à toi et nous désirons vraiment que tu fasses ton œuvre, Père, dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants, mon Sauveur. Oh, agis, Père. Remplis-nous, Père, dans la vie de nos épouses. Père, oui, Père, que tu les bénisses, que tu fortifies. Je te loue de tout mon cœur, mon Père. Oui, Père, merci encore. Merci pour ce jour béni. Merci, merci. Oh, Dieu du ciel. Merci, Père. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci, Sauveur. Merci. Merci, oh Dieu. Merci, oh merci, mon Sauveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton secours et ton soutien. Tu es vraiment bon pour nous. Tu es un Père pour nous. Tu es vraiment notre Dieu. Tu es notre Rédempteur. Merci pour ton amour à notre endroit, la délivrance, la grâce, la persévérance, pour nos frères qui ont persévéré, pouvoir agir selon ta parole, pour nos sœurs, à travers les épreuves, qui ont persévéré, Seigneur, que tu as témoigné la vérité. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Merci. Merci, mon Père. Je te remercie pour tous ces témoignages dans ces lieux, Père. Continue encore d'agir dans la vie de ton peuple, Père. Afin qu'il soit aussi un témoignage. Merci. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire,
À toi l'honneur, la puissance et la victoire. Pour la gloire et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais demander à nos trois sœurs ici, l'une après l'autre. Je voudrais que notre sœur ici, Gloria, nous chante ce cantique. Alors la terre tremblant. Et puis notre sœur, ici aussi Mary, avec son cantique. Je voudrais bien entendre aussi. Et puis après, notre sœur, ici aussi, Sarah, avec son cantique. Je voudrais bien que nous puissions chanter cela. Qu'elle nous chante l'une après l'autre. Et puis notre bien-aimé frère. Bien, mon grand, que Dieu te bénisse. Tu peux venir, Gloria. Et puis après, ce sera Mary. Et puis notre sœur, Sarah aussi. Que Dieu te bénisse. Les étoiles ont pleuré, les soleils s'évalaient, car le sauveur du monde fut crucifié. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules les poids de nos péchés. Les étoiles ont pleuré, les soleils s'évalaient, car le sauveur du monde fut crucifié. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules les poings de nos péchés. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Les rois ressuscités a remporté la victoire. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Les rois ressuscités a remporté la victoire. À son tout dernier souffle, les ciels s'est détournés, les fils des dieux luisaient dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. À son tout dernier souffle, les ciels s'est détournés, les fils des dieux lui dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Les rois ressuscités a remporté la victoire. Alors la terre trembla, la pierre
éternel, tu me sondais, tu me connais. Où fuirais-je loin de toi? Si je regarde à ce que tu as fait dans ma vie et à comment tu es mort à la croix pour moi, pécheur que j'étais, tu m'as libéré. Alors laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi te louer, Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé. Désormais, je voudrais suivre tes pas. Désormais, je voudrais t'aimer à mon tour. Éternel, je me prosterne devant toi. Ta grandeur me même démontre que tu es le Tout-Puissant. Ma présence même démontre que tu es le bon berger. Mon fidèle ami, tu ne m'as jamais abandonné. Alors, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi te louer, Seigneur. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé. Désormais, je voudrais suivre tes pas. Désormais, je voudrais t'aimer à mon tour. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Garde mon âme près. Chaque jour, donne-moi un cœur qui puisse aimer comme tu es, afin que, Seigneur, tu te voies en moi. Alors, laisse-moi t'adorer, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer, Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé. Désormais, je voudrais suivre tes pas. Désormais, je voudrais t'aimer à mon tour. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Garde mon âme près de toi.
jours. Donne-moi un cœur qui puisse aimer comme tu es, afin que, Seigneur, tu te voies en moi. Alors, laisse-moi t'adorer, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer, Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé. Désormais, je voudrais suivre tes pas. Désormais, je voudrais t'aimer en retour, mon roi. Laisse-moi t'adorer, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer, Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi t'aimer en retour comme tu m'as aimé. Désormais, je voudrais suivre tes pas. Désormais, je voudrais t'aimer à mon tour. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénirai ton nom. Tout
fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom. Ton nom, Seigneur. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. Sa fidélité fera mes délices. Chaque jour, je chanterai. Béni soit le alors que nous avons nos têtes inclinées, nous avons quelques requêtes pour lesquelles nous allons réellement prier. Nous avons ici une requête déposée par la sœur Véro Lazarena. Elle est de l'assemblée de Jemap. Elle demande si nous pouvons réellement prier pour la sœur Ghislaine, épouse du pasteur Jean-Pierre Lerat de Bruxelles, qui est dépressive et qui a essayé de se suicider chez elle et à l'hôpital. Elle est maintenant à l'hôpital Titeka à Bruxelles. Pouvez-vous prier pour... Donc c'est la maman de son amie Rachel. Elle demande donc si nous pouvons prier pour elle afin que le Seigneur puisse réellement la délivrer. Notre sœur Carole de Canada demande aussi à l'Assemblée de prier pour une dame qui souffre de cancer. Nous allons penser réellement à ces deux requêtes pour que le Seigneur accorde réellement sa grâce et la guérison. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu, Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi pour réellement te déposer ces deux requêtes. C'est des cas de maladie, Seigneur, qui sont réellement préoccupantes, mon Sauveur. Nous te prions, Seigneur, toi qui guéris de toute maladie. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à ta puissance. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à ta présence, notre Dieu. Seigneur, toi tu aimes l'homme. C'est pour nous, Seigneur Jésus, que tu t'es donné à la croix, afin que nous soyons libérés, délivrés de tout démon, Seigneur. Oh, qu'est-ce que c'est que le cancer, mon Sauveur? C'est un démon qui veut réellement détruire le corps humain d'un homme, mon Sauveur. Tu es le Dieu de toute possibilité, Seigneur. Notre sœur Carole croit réellement que si nous prions et nous implorons ta grâce, mon Sauveur, toi tu es le Dieu qui délivre encore aujourd'hui. Seigneur, cette dame qui souffre, mon Dieu. Oh Seigneur, elle n'a peut-être pas d'espoir, Seigneur mon Dieu, dans les médecins, mais son espoir et sa confiance est en toi. Seigneur, c'est toi qui guéris encore aujourd'hui. Que dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que la vie, Seigneur, qui est dans ce cancer soit ôtée, Seigneur. Que ce démon soit chassé. Que cette dame soit délivrée, libérée, Père.
Que tu accordes vraiment la guérison, notre Dieu. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tu es le faiseur de l'impossible, mon Sauveur. Agis pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, de l'épouse, Seigneur, mon Dieu, de la sœur Ghislaine, mon Sauveur, l'épouse du pasteur. Ô Dieu puissant Jean-Pierre, tu es le Dieu de toute guérison, mon Sauveur. Ce démon, Seigneur, qui l'empêche de pouvoir être en bonne santé. Ô Seigneur, mon Dieu, qui a fait qu'elle soit enfermée, qui la pousse réellement à se suicider, Seigneur. Que ce démon soit chassé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous implorons ta grâce, mon Dieu. Nous réclamons sa santé, notre Dieu. Qu'elle soit en parfaite santé, mon Père. Qu'elle soit délivrée, qu'elle soit libérée. Qu'elle sorte de cet hôpital, mon Dieu, mon roi. Parce que ta fille ne peut pas être une folle, mon Sauveur. Parce que la guérison t'appartient, notre Dieu. Tu es réellement le secours qui ne manque jamais dans la détresse, notre Dieu. Oh, au temps de la détresse, tu as toujours délivré, mon Sauveur. Que ce démon soit réellement chassé. Que notre sœur soit libérée, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Accorde-lui réellement la paix. Accorde-lui réellement la joie. La joie et la paix du salut, Seigneur. C'est toi, ô Père Céleste, notre Sauveur qui délivre réellement. Seigneur, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Elle croit réellement, Seigneur. C'est ta fille à toi. Seigneur, tu vois, ô Père Céleste, peut-être qu'elle était faible, mon Dieu, mon roi. Mais c'est toi qui fortifie, mon Sauveur. Relève-la là où elle est, Seigneur. Qu'elle soit fermée, mon Sauveur béni. Qu'elle retrouve réellement sa mémoire. Qu'elle retrouve réellement sa santé psychologique, mon Père. Oh, qu'elle soit rétablie, restaurée, notre Dieu. Qu'elle réellement tout ce qui l'empêchait de la lier, Seigneur, aux choses de ce monde, mon Père, cela soit délivré au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu guéris encore aujourd'hui, tu restaures encore aujourd'hui, Seigneur. Redonne-lui son bon sens, mon Père, qu'elle revienne à toi et croit réellement que le Dieu qu'elle croit, Seigneur, que le Dieu qu'elle sert, qui est un Dieu qui guérit, qui délivre encore aujourd'hui, Seigneur. Agis pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Nous avons confiance en toi, notre Père. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous te la recommandons entre tes mains, Seigneur. Bénis la sœur Véro qui a déposé cette requête, mon Père. Tu vois aussi l'amour qu'elle a pour la maman de son ami, Seigneur. Ô Père Céleste, restaure, délivre afin que le témoignage soit rendu au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te l'avons ainsi demandé, Père. Amen. Amen. Ma tante Béa, qui est au Congo, a besoin du secours de l'Éternel pour sa santé. Elle a besoin de nos prières afin que le Seigneur la rétablisse. Mon autre tante, Yombo, qui est à Darwin, demande que l'on prie pour ses genoux qui lui font mal. Les médecins veulent l'opérer, mais elle s'attend au Seigneur. Elle a foi que si l'on prie pour elle, le Seigneur la guérira. C'est notre sœur Mariette. Nous allons prier pour ces deux requêtes, afin que le Seigneur réellement accorde sa grâce pour la tante Béa, qui est au Congo, que Dieu réellement se souvienne d'elle dans sa santé. Et aussi la tante Yombo qui est à Darwin, que Dieu réellement accorde la grâce pour ses genoux qui lui font mal et que les médecins veulent réellement opérer. Que Dieu mette la main. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, Seigneur, nous venons à toi, ô Sauveur béni. Tu es réellement le grand médecin, tu es le grand conquérant, Seigneur. Le puissant vainqueur, c'est toi, notre Dieu. Seigneur, ma bien-aimée sœur croit, et nous aussi nous croyons. Et Seigneur, ces sœurs croient aussi que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi des tantes de notre sœur Mariette. Seigneur, tu vois l'amour qu'elle a pour ses tantes, Seigneur. Elle aimerait les voir en bonne santé aussi, Seigneur. Et la joie de notre sœur, c'est aussi notre joie. Seigneur, c'est pourquoi nous venons comme un seul homme implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, pour la tante Béa, notre Dieu. Oh Seigneur, tu connais seule la maladie qu'elle a, notre Dieu. Oh Seigneur, c'est toi qui restaures le corps humain, Seigneur, parce que c'est toi qui en es l'auteur et le créateur. Seigneur, que là où elle a mal, mon Dieu. Oh Seigneur, que ce soit au poumon, à l'estomac, au cœur, mon Sauveur, dans les jambes, Seigneur, mon Dieu. Peu importe la douleur qu'elle peut avoir, mon Sauveur, c'est toi qui es capable de restaurer la santé d'un homme. Seigneur, accorde la grâce, mon Dieu, mon roi, que tout démon, quel que soit son nom, soit réellement chassé au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la tante Béa soit délivrée, Père, que rien de mal ne puisse être trouvé en elle, qu'elle soit en bonne santé, notre Dieu, que rien ne puisse empêcher de te louer, Seigneur, que ton nom soit glorifié, notre Seigneur, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Seigneur, accorde-lui la bonne santé, notre Dieu, mentale, psychologique, psychique et physique, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu es le Dieu qui restaure parfaitement. Guéris-la, mon Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi de la tante Yombo, mon Père. Tu vois réellement ses genoux, notre Dieu, qui lui font mal, mon Sauveur. Peu importe l'âge, mon Sauveur, toi, tu es celui qui restaure. Tu rajeunis comme l'aigle, mon Dieu, et tu l'as fait sauter, Seigneur, comme réellement un enfant, mon Dieu, mon roi. Seigneur, restaure ses genoux, mon Père. Oh, Père Céleste, tu es capable de pouvoir faire cette opération avant même que les médecins puissent mettre la main. Tu es le Dieu créateur. Seigneur, c'est toi qui
qui as créé les genoux, c'est toi qui as créé le corps humain. Seigneur, restaure toutes choses au Père. Mets la main, mon Sauveur béni, que là où elle est, notre Dieu, que réellement ton feu puisse brûler, consumer ce qui n'est pas le toi, que réellement ta main puissante puisse la toucher, que au nom de Jésus-Christ, que ses genoux soient restaurés, Père, qu'elle se lève et marche au Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que tout démon, Seigneur, qui l'empêche d'être en bonne santé, que ces démons soient chassés, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Réjouis, Seigneur, mon Dieu, le cœur de ta servante, mon Père, de pouvoir aussi avoir le témoignage de la guérison que toi, tu auras opérée en ces temps, mon Sauveur. Nous te louons, notre Dieu, parce que tu n'as jamais changé, tu n'as jamais failli au rendez-vous, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle qui entend et qui se plaît réellement à nous exaucer, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire, Seigneur. Guéris-les au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te l'avons ainsi demandé, Père. Amen. Amen. Notre frère Koulibaly demande que nous puissions penser à lui pour son voyage de retour. Il quitte Abidjan demain lundi pour l'Espagne. Nous allons prier pour lui afin que le Seigneur puisse réellement bénir son voyage. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu, encore une fois, nous venons avec la requête de notre frère Koulibaly. Seigneur, nous avions prié pour son voyage depuis l'Espagne jusqu'en Côte d'Ivoire. Seigneur, tu l'as béni et tu as béni son séjour, notre Dieu. Au même, Seigneur, au travers de lui, tu as encore agi, Seigneur, tu as touché les cœurs de l'autre côté. Seigneur, maintenant qu'il veut prendre le chemin de retour pour retrouver sa famille, Seigneur, et ses frères et sœurs, Seigneur, accorde la grâce, mon Dieu, mon roi. Que son voyage soit béni, mon Père. Que ses bagages soient protégés. Oh, Seigneur, que tu l'entoures par devant et par derrière. Toi qui dis dans ta parole, que tu bénis le départ ainsi que l'arrivée, que ta parole trouve son accomplissement dans sa vie, Seigneur. Sois avec lui, Éternel, conformément à ta promesse, mon Sauveur. Bénis-le, garde-le, protège-le, Seigneur. Qu'il soit réellement entouré par tes anges, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et lorsqu'il arrivera, notre Dieu, nous ne manquerons pas de te louer, de te remercier. Merci parce que tu entends nos prières et tu nous as déjà exaucés, car nous te l'avons adressé avec foi dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait à mon égard depuis cette année. En plus de ma guérison et ma conduite dans mon travail jusqu'à la pension professionnelle, en ce jour, il m'a accordé la nationalité belge. C'est notre sœur Emma. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Je vais inviter ma sœur Gloria à venir juste rendre le témoignage qu'elle voulait rendre. Et alors, ma sœur Alice, tu te prépares juste après notre sœur Gloria. Tu viendras aussi rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie. Parce que le Seigneur a fait vraiment des grandes choses pour moi. Il a fait beaucoup de choses, mais j'ai rarement témoigné ici devant. Mais aujourd'hui, j'ai expérimenté quelque chose que j'ai vraiment fait attention pour expérimenter. Et ça s'est passé exactement comme je l'espérais. J'étais très souffrante ce matin. À la maison, je commençais à avoir mal au ventre. J'ai dit à ma sœur Marie que j'ai eu mal au ventre. Elle me dit « Bonne chance ». Après, quand on est venu, on chantait, j'étais derrière et je tenais plus. Mes jambes tremblaient. Je disais à ma sœur Imelda que je vais sortir pendant que la chorale chantait. Après, j'ai résisté à sortir, mais je n'ai plus sorti. Quand la chorale est finie, je suis sortie dehors. J'avais terriblement mal, je tenais pas. Après, j'ai demandé qu'on me donne d'afalgan et je suis allée de l'autre côté m'asseoir devant la bibliothèque en attendant que le pasteur vienne passer pour qu'il prie pour moi. Et à un moment, j'ai vu le frère Vladimir, il est venu. Il m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que non, j'avais vraiment mal. Il a prié pour moi et au moment où il a tourné les dos, le pasteur passait. Il m'a demandé aussi, je lui ai dit non, j'avais vraiment mal. Il m'a amené dans son ancien bureau et il a prié pour moi. Et quand il a fini, il a recommencé encore la prière. Et quand il priait pour moi, il y avait une voix dans mon cœur parce que quand on prie,
Je me disais, bon, on va prier pour moi, mais après la douleur va continuer. Peut-être que je serai guérie plus tard. Maintenant, la voix qui était dans mon cœur commençait à me dire que dès que la prière finit, que je puisse rentrer directement dans la salle, même si j'ai mal. Je suis restée, je me dis, je rentre ou je rentre pas. Après, je suis rentrée quand même. Au moment où je suis venue, je me suis assise ici. Et le frère Christian, il a dit que dans sa présence, nous avons la guérison et que ce n'est pas les paroles en vain. Et j'étais tellement consolée. Il a commencé la louange. Je me suis levée et au moment où j'ai dansé, j'avais plus rien du tout. Rien du tout. Jusqu'à maintenant, j'ai rien, rien, même pas un peu de douleur, rien. Et je remercie le Seigneur pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Ma soeur Alice. Bonjour frères et sœurs. J'ai décidé de témoigner aujourd'hui. Je ne voulais pas. Ça fait bien longtemps que je devais témoigner. Et à chaque fois quand je prie, le Seigneur met dans mon cœur et dit, témoigne. Tu dois dire ce que j'ai fait pour toi parce que j'ai beaucoup fait pour toi. Quand tu es ici, personne ne sait ce que tu es. Personne ne sait ce que moi j'ai fait pour toi. Et il faut que tu témoignes. Et quand le pasteur a prêché, il a parlé de témoigner. Je sais qu'il parlait de moi. C'est Dieu qui a touché son cœur pour lui dire témoigne. Et je priais, je dis Seigneur, donne-moi la force pour que je témoigne pour toi parce que tu as fait beaucoup pour moi. Et ça, les gens doivent savoir. Je vais être un peu courte parce que s'il faut que je témoigne, ça sera trop long. Je vais d'abord commencer quand je suis arrivée ici. C'était en 2013. J'étais catholique en ce moment. Je priais avec le chapelet et tout. Et mon frère qui était en Tunisie, il m'a parlé, il m'a dit, Alice, tu sais, tu ne dois pas prier la Vierge Marie et tout. Je dis, non, qu'est-ce que toi tu me racontes encore? Je sais comment les églises sont et je ne veux même pas mettre ma tête là. Je préfère ce qui est calme et tout. Et après, le Seigneur a commencé à me parler. J'ai dit, mais en fait, il a raison. Parce que quand il parlait, il me donnait les versets. Et donc j'ai lu, j'ai dit, mais en fait, il a vraiment raison et je devais quitter tout ce qui est église catholique. Mais je ne savais pas où est-ce que je devais aller prier parce que je venais d'arriver et tout le temps, je restais à la maison avec mon chapelet et ma Bible. Et là, un jour, j'ai fait un rêve où j'étais en enfer. Et je pleurais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Après tout, je connais un peu ma vie, je sais que même si c'est vrai, il y a des fois, je pêche, mais je suis quand même un peu sur le droit chemin et je comprends pas qu'est-ce que je fais ici. Et le Seigneur dit, en fait, tu as fait beaucoup de choses et puis tu me connais pas encore. Il faut que tu changes ta vie. Je dis, Seigneur, ramène-moi, il faut que je change ma vie, il faut que je sois avec toi. Et il m'a ramené un jour, un cousin m'a dit, viens dans notre église. Et tu verras, c'est bien, c'est une église ghanéenne. Et j'ai été là-bas. Dans l'allée, je lui disais, tu sais, moi, je ne crois pas trop à ces gens d'église. Quand on va demander s'il y a une personne qui vient d'arriver, je ne veux pas me lever. Je viens juste, mais après, je rentre. Et j'ai été, ils ont commencé par louer. Et quand ils ont commencé par louer, quelque chose est entré dans mon cœur. Avant même que le pasteur me dise, est-ce que quelqu'un... Je me suis déjà levée, je ne sais pas comment je me suis levée. Je me suis levée, j'ai été devant. Il a prié pour moi et c'est là que j'ai commencé par aller dans cette assemblée. Et j'ai été baptisée là-bas. Le Seigneur a fait pas mal de choses. En fait, le Seigneur est passé par là pour me guider. C'est-à-dire qu'avec le Seigneur, c'est étape par étape. Tu passes par là et après tu vas dans un niveau encore plus élevé. J'étais dans la chorale parce que j'aime beaucoup chanter. Et tout le temps, j'étais là dans la chorale, mais... Un jour, je me suis dit, mais Alice, tu viens à l'église, on dirait que tu viens plus maintenant pour la chorale. Tu ne viens pas pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que ta vie est en train de changer? Je dis, mais non, c'est pas normal. J'entendais ça dans mon cœur. À chaque fois quand je me couchais, j'entendais ça. J'ai dit, non, je dois changer. C'était dans l'année 2015, si je me rappelle bien.
Et dans cette période-là, les choses n'allaient pas vraiment bien parce que j'avais mon oncle maternel qui était malade. Il faut dire que la famille de ma maman, ce sont des musulmans. Mais mon oncle, là, le Seigneur l'a donné la grâce de le connaître. Et depuis, il me disait que la religion musulmane, non, ce n'est pas vraiment ça, qu'on ne sent pas Dieu là-dedans. Et il est tombé gravement malade. Quand il est tombé malade, il appelait souvent. Et il m'a dit de prier pour lui. J'ai été voir mon pasteur, je l'ai dit. Il m'a dit de prendre de l'eau, de prier, et de lui dire, là où il est aussi, il n'a qu'à prendre de l'eau, de prier dessus, et de boire. Ça a été un moment, mais après, il est décédé. Et quand il est décédé, c'était vraiment le chaos pour moi. Je dis, mais Seigneur, cet homme, il t'a vraiment donné sa vie. Il était musulman, tu l'as ramené à la vie. Tu as demandé qu'on prie pour lui, on a prié pour lui, et maintenant il est décédé. Non, je ne comprends pas. Et là, c'est fini, je ne priais plus. J'ai laissé Dieu, j'ai dit non, c'est bon, parce que là, ça ne va pas. S'il est vraiment Dieu, comment est-ce qu'il a permis? Parce que tout le monde le disait. Si tu es vraiment Dieu, comment tu as permis que cet homme meure? Et donc, c'est dans le même moment-là que j'ai arrêté d'aller à l'église. Chaque fois, on m'appelait, Alice, tu viens? Je dis bon, je vais venir, mais je ne peux pas venir. Et j'ai fait une année à la maison, où j'allais plus du tout à l'église. Je me suis dit, après, je suis revenue en moi. Je dis quand même, je vais rester chez moi et je vais prier. Et là, beaucoup de choses s'est passées. Le Seigneur, j'avais une soif où je cherchais la vérité. À chaque fois, je priais, je dis, mais je veux vraiment une vraie assemblée, parce que même là où je vais, mais ce n'est pas ça. Je vais, mais allez, ma vie ne change pas, il faut que ma vie change. Après tout, quand on va à l'église, c'est pour que quelque chose se passe dans notre vie. On ne peut pas rester la même personne. J'ai prié. Il faut dire que moi, je n'ai pas souvent d'amis. Je suis toujours à la maison. Et ça, ma maman peut le dire. Et je priais, je dis au Seigneur de me donner aussi de vrais amis, de vraies sœurs avec qui je peux être comme il veut, mais qui puissent me guider sur le droit chemin, parce que je sais comment les choses sont ici. Et en septembre, d'abord j'ai eu mon bachelier l'année passée, c'était en 2016. Il y a eu un témoignage qui est passé d'une sœur, je ne sais pas, en Afrique, qui parlait mais qui pleurait. Son témoignage était vraiment vivant. Elle parlait, elle dit que nous ne devons pas être ni froid, ni chaud, quelque chose comme ça, mais c'était dans l'Apocalypse. De changer sa vie, ça m'a touchée. Je dis oui, il faut que je change ma vie. Ça, c'était en 2016. Et après mon bachelier, les combats ont commencé. J'étais vraiment, vraiment, mais vraiment attaquée. Je ne dormais plus. La nuit, comme ça, je voyais des choses. C'est terrible. On ne peut pas expliquer. Et en septembre, j'ai fait un rêve. Je ne dirais même pas que c'est un rêve, parce que c'était vers le matin, 6h, 5h, 6h, comme ça. J'ai fermé les yeux. Et j'ai fait ce rêve. Je peux dire, je n'ai pas prié avant de dormir. Mais j'ai fait ce rêve où je me suis trouvée dans un stade quelque part comme ça et j'étais inquiète. Je demandais au Seigneur de m'aider. Et c'est là que quelque chose a commencé par me parler. Et d'un coup, j'ai été transportée en l'air. La tête en bas, les pieds, ils tenaient juste mes pieds comme ça. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que c'était un dragon. J'ai raconté au pasteur, il m'a dit, c'est pas un dragon, mais c'est l'aigle. De savoir que le Seigneur est représenté par l'aigle. Et la chose me parlait, il me disait que j'étais acquis. Il y avait une puissance qui rentrait en moi quand la chose me parlait. J'étais acquis. C'est moi qui t'ai appelé, je t'ai acquis. Et il a dit une parole dans une langue. Et quand je me suis réveillée, la langue était dans ma tête. J'ai pris l'habitude d'enregistrer les rêves que je fais, parce que je sais que souvent le Seigneur passe par les rêves pour me parler. Je l'ai enregistré. En fait, quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais allez, Seigneur, ce que tu es en train de dire, c'est que vraiment, c'est toi qui es dans ma vie. Tu es en train de me montrer, en fait, que quel que soit ce que je suis en train de traverser, toi, tu es là pour moi. Peut-être moi, je ne le sais pas, mais tu m'as montré. Et j'ai vu, on est rentré en 2017. En 2017, la prière que j'ai faite, j'ai dit, mais cette année, c'est vraiment une année où je sais que beaucoup de choses vont changer. Maintenant, c'est vraiment, je vais vraiment donner ma vie au Seigneur. Et quand j'ai réécouté, c'est l'enseignement du pasteur, je pense que c'était le 1er janvier 2017.
où il disait que c'est une année de rassemblement où tous les enfants du Seigneur reviendront à lui. Et c'est vrai, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas fini. Je vais raconter comment est-ce que je suis arrivée ici. Lorsque j'ai eu mon bachelier, j'ai fini par... Normalement, je devais continuer avec le master, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis inscrite, après, je n'ai plus été, parce que je devais faire le master en relations internationales. Et mon anglais n'était pas bien, donc il fallait que je fasse l'anglais, atteindre le niveau B2 avant. Et c'est là que j'ai commencé les cours. Le néerlandais, ça, je le faisais en soir. Et je me suis inscrite pour les cours d'anglais. Et c'est là que j'ai rencontré Ruth. Elle s'asseyait devant, moi j'étais derrière. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et je me suis trouvée devant avec elle. Et il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'elle-même, elle peut le témoigner. On est devenus vraiment proches. Et c'est là, bon, quand j'avais des attaques aussi, je lui disais ce qui m'arrivait. Mais bon, c'était pas aussi grave que ça. Et donc, une fois, elle m'a donné l'adresse et tout de l'assemblée. Elle m'a dit, viens une fois. Je lui ai dit, OK. En ce moment, je lui ai dit que je n'allais plus à l'église, mais il y avait une assemblée où j'ai été. Elle m'a dit, OK, viens une fois. Je ne te dis pas que chez nous, c'est bon, mais quand même, tu peux venir une fois. J'ai dit, OK. Et je n'ai même pas eu à l'idée de venir. C'est une fois, je me suis couchée, j'ai eu vraiment une attaque où je sentais qu'on était en train de tirer mon âme. J'étais sur le lit comme ça et je criais le nom du Seigneur. Et là, j'ai dit non, ça c'est trop. Avant ça, j'ai commencé par jeûner, j'ai commencé par prier. J'étais dans un moment où c'était vraiment difficile, je ne sais pas. Où est-ce que ces attaques venaient? Mais je voyais tellement les choses. Quand tu te couches, c'est comme si on vient t'appuyer sur le cou comme ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, là maintenant, j'ai vraiment besoin de l'aide de quelqu'un qui vient du Seigneur. Et j'ai parlé à Ruth, elle m'a dit, bon, tu sais, je vais te donner le numéro de mon pasteur et tu pourras l'appeler, il va prier pour toi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le frère Léonard et aujourd'hui, je suis ici. Je ne peux pas tout raconter parce que s'il faut que je raconte toute ma vie, c'est une vie de témoignage. De bénédiction, je sais que c'est le Seigneur. Peut-être, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas tout dire, mais le Seigneur a voulu que je parle parce qu'il a fait des choses et je dois témoigner. C'est comme si j'avais honte du Seigneur. C'est comme si je ne reconnaissais pas ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais s'il a fait, il continue de faire et il a fait beaucoup pour moi. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Alice. Ton témoignage était réellement nécessaire. Si le Seigneur a parlé par la bouche de son serviteur, il savait pourquoi. Effectivement, ton témoignage pourra servir de témoignage à quelqu'un d'autre. C'est ce que le pasteur a dit, effectivement. Tu cherchais un endroit où tu allais marcher dans la vérité. Le Seigneur t'a conduit ici. Et c'est un témoignage pour ceux qui sont déjà ici, de savoir qu'ils sont dans la vérité. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu soit réellement loué. Appliquez le signe, je verrai le sang, je passerai, dit le Seigneur, je verrai le sang, je passerai loin de vous. Pourquoi crier? Parle seulement, la promesse est à toi, est à toi, pourquoi crier? Parle seulement, la promesse est à toi, est à toi. Nous avons vaincu la mort à la croix, grâce à cet homme de Galilée. Nous avons vaincu la mort à la croix, grâce à cet homme de Galilée. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?